Enregistrement démarré. En fait, attends, je vais changer mon nom, donc je m'appelle Rick Owens. Ça y est, nous sommes enregistrés. Tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous. Si je me souviens bien, c'est quand t'as commencé à enregistrer la semaine dernière que je me suis retrouvé déconnecté. Hein. Oui, c'est à peu près ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est complètement ça. Bah, c'est-à-dire... La dernière chose que j'ai entendue, c'est... on commence l'enregistrement et je lance Rollisteam, à ce moment-là, j'ai plus rien eu à mon écran. Bah après, moi j'ai pas rien, mais l'enregistrement il alors, touche pas au réseau. Hein. Il, alors, il est dans avant, le cas, avant le résumé, les droits maintenant, attends, est-ce qu'on attends, considère que tous les PNJ l'entendront? Alors, avant le résumé, pour ceux qui ont mis à jour leur fichier Dropbox, dans Rollisteam, allez dans Préférences, vous cherchez les chemins standards et vous faites Musique joueur et vous mettez le dossier Music Cops de Dropbox. Cops, il y en a un, c'est marqué Music Cops, et tu fais sélectionner. Ouais, donc c'est dans Dropbox, Cops, Campagne, Music Cops. Voilà, et tu sélectionnes. Ce qui fait que ça me permettra de vous envoyer de la musique au moment où vous y attendrez le moins, et à fond. Quoi? Alors, tu cliques sur Fichier, Préférences, tu vas après dans la fenêtre qui s'est affichée dans l'onglet Chemin Standard. Fichier préférence, ouais. Voilà, une fenêtre s'affiche. Ouais. Tu vas dans l'onglet Les chemins standards et le deuxième choix qui est MJ joueur. Tu sélectionnes ton dossier Dropbox, Cops campagne et la musique Cops. Et comme ça, ça permettra à Chrome de nous pourrir les oreilles. Alors, je ne sais pas si tout le monde l'a téléchargé le dossier, sachant que Obi met les enregistrements des parties précédentes hein, dedans. Dans ce truc là. Ça va chercher dans ma Dropbox. Bah, si t'as installé Dropbox sur ton PC et que tu l'as mis à jour, oui. Oui, j'ai Dropbox sur PC. Et que tu as accepté mon invitation de partage. Et pas par erreur, parce que c'est chiant d'accepter par erreur une invitation. Ouais, parce que tu te goûtes de gourdeur et de saison, forcément. Bah oui. C'est vrai. Bon, moi j'ai plus le lien de la Dropbox, mais. En effet, ça a mis à jour là. Oui, faut... Vous voulez dire que c'est le dernier album de Louis contre-attaque? Mon dieu. Bon, donc, previously in cop. Et chat, tue-le. Merci. Bon. Je laisse Thilon, toi a l'air de vouloir résumer. Je laisse résumer, sachant qu'il va sûrement oublier des indices et tout. Et tant pis pour vous. Vous avez qu'à. Attends, je sais quoi écrire. Vas-y. Pardon. Alors, previously in cops. On a fait notre deuxième sortie, la première pour certaines, ou certains, où on a eu droit à une arrestation pour ivresse sur la voie publique. Passionnant. Et une intervention pour une porte a priori mal fermée. Or, il s'est trouvé que la porte fermée était plutôt une porte-fenêtre tout en verre complètement défoncée, avec un cadavre dans le hall d'entrée. Et avec le cadavre, on avait droit sous le... l'espèce de... Le pupitre. Enfin, de pupitre d'accueil. D'accueil, enfin de bureau. De n'importe quel truc d'accueil. Sous la table, on avait droit à une bombe à retardement enclenchée. Ce qui fait que, tout en que notre courage, on a... Ah, c'est pas possible. Attends, je peux reprendre depuis le début. Je vais attendre 10 secondes pour qu'il se reconnecte. Alors, non, mais répète ce que t'as dit au début. Donc, vous êtes rentré dans le bâtiment. Ils ont trouvé un cadavre et une bombe sous le bureau, en fait. Ah ouais, et alors... Le bureau d'accueil. D'accord. Alors, en écoutant que notre page, on a tout de suite reflué à l'extérieur. On a appelé des renforts. D'accord. Et grosso modo, les renforts sont arrivés rapidement.
Et on a pu voir que le bâtiment. Voilà, de retour parmi nous, Kevin. Donc, disais-je, Wow. on a découvert une bombe sous le bureau d'accueil, à côté du cadavre. Et quand on a vu que la bombe était armée, n'étant de notre courage, on a appelé les renforts, ASAP. Donc, les renforts sont arrivés rapidement, à savoir du SWAT et des équipes de démineurs. On a avancé très lentement dans le bâtiment, ce qui nous a pris quasiment toute la nuit parce qu'il y avait quasiment une à deux bombes sur chaque étage et il devait y avoir quelques étages. Et au deuxième étage d'ailleurs, on a découvert des bombes et aussi quatre autres cadavres. C'est assez rigolo. Après cette nuit tout à fait pas du tout stressante, on a appris que le bâtiment en question, c'était un studio d'enregistrement d'une chaîne White Power, des gens très bien sous tout rapport, du White moment qu'ils Power soient blonds aux yeux bleus, 88. C'est voilà, ça. qui ont tout de suite sympathisé avec moi, ces braves gens. Et Ouais, donc c'est pour ça que c'est ma coéquipière qui est allée discuter avec leur chef en communication, qui était quelqu'un de très sympathique, qui n'était absolument pas casse-bonbon et qui ne le prenait pas absolument de haut. tu oublies qu'il y avait quand même une escorte de chers collègues. Oui, il y avait aussi une unité anti-émeute à un moment, parce que ça a tourné quasiment à l'émeute, sachant que Une petite le émeute, hein, type en ça a com. pas dépassé la centaine de personnes. Non. Oui, c'est ça. La personne en com a juste appelé ses sympathisants à aller manifester parce qu'on avait bouclé le bâtiment pour cause d'enquête et de meurtre, et que les mecs appréciaient pas trop de voir des Latinos, des Blacks, des Basanés, des Shintok, enfin des tout sauf blancs, se balader librement dans leur bâtiment alors qu'eux, ils pouvaient pas. Des gens très sympas, vous dis-je. Donc, c'est ma coéquipière Lynn, qui a récupéré le dossier. On a, alors, pour être très, on a élaboré un scénario, disant que les quatre personnes qu'on a trouvées devaient être les poseurs de bombes. Ils ont dû se faire liquider par une cinquième personne. Parce que vu la position dans laquelle ils étaient, on va dire qu'ils ont été légèrement surpris. Une personne qui apparemment s'y connaissait bien, et on recherche le pourquoi du comment de la chose. Alors ça, c'est la version qu'on élabore nous. Pour l'instant, on a juste 5 homicides, à savoir le gardien qui était dans le hall d'entrée, plus les 4 personnes. Again, le pauvre. T'as fini? Non, bah après, Lynn et moi, on est tourné, on a été voir le chef de la com justement de White Power 88, et ça s'est pas très bien passé pour moi, avec une espèce de bâtard qui m'a légèrement glavioté dessus parce que je suis apparemment hispano, mais ça s'est. En même temps, tu m'étonnes, vous venez d'essayer de plastiquer son bâtiment. Hein. C'est pas vraiment ça. Attends, c'est un truc white power, donc c'est forcément des gens de couleur qui ont fait le truc. Et donc, Lynn, tu peux raconter ce qui s'est passé quand tu l'as cuisiné, mais il s'est pas passé grand-chose, grosso modo, le mec, il était. Non. Alors, je vais juste revenir. Le porte-parole du Ku Klux Klan s'appelle Charles Ryan. Tac tac. Les quatre. Alors, dans les quatre personnes qui sont mortes. On pense que l'assassin du tout premier, le vigile, est dans les quatre, et on pense notamment à la meuf, parce qu'il y avait une meuf et trois hommes, que ces quatre personnes sont Et attends, tous pourquoi tu penses que pratiquement c'est la d'anciens meuf? mercenaires, anciens militaires, il y avait deux spécialistes en piratage informatique de hacker et un autre spécialiste en explosif et la dernière en assassinat. Ils ont Ouais. tous fait de la prison. Et donc on soupçonne qu'ils ont été recrutés par là. Ils sont morts d'une balle dans la tête et de deux balles dans le corps. Dans le Non, non, buffet. non, 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 une balle dans la tête et puis deux autres encore dans la tête. Ah, Ça, dans la mais tête grosso modo, encore. ils ont été exécutés. Ça se voit, ça sent Oui, clairement voilà. le mec qui sait ce qu'il fait. Alors, Et je répète pour notre ami Kevin. Ben, Il ça a va déjà pas. entendu une partie. Ah, J'en d'accord. ai entendu une partie, surtout j'ai écouté le truc. Il y a juste un truc que j'ai noté que vous n'avez pas l'air d'avoir relevé dans votre truc, c'est que les explosifs utilisés
Ils étaient munis alors de détonateurs à détente en fait. Donc c'était des détonateurs. Enfin, les explosifs étaient placés de façon à tuer les intervenants sur place. Il y a des deux en fait. Oui. Hein, après. Ah, dans le après, truc dans que le tu m'as rapport de dit. la bombe squad, après ils te disent qu'il y a des deux en fait. Il y avait une partie c'était à détente et une partie qui était là pour faire sauter le bâtiment avec une commande qu'ils ont trouvée dans le sac des mercenaires. Ah, okay. Apparemment, leur but c'était de détruire le bâtiment et aussi de faire un maximum de victimes avec De les nouveaux mort à qui seraient l'intérieur. rentrés dans le bâtiment. Mais bon. Les explosifs ont près de 20 ans, d'après ce que j'ai cru entendre. Hein. Ouais, c'est ça, ils Oui. sont vieux, Ils sont enfin vieux, anciens, c'est ouais. vieille école, quoi. Bah en Donc on fait, avait. pour juste Oui. un coup, truc, si. l'hypothèse que moi j'avais, c'était que le spécialiste, qu'une équipe, c'est l'équipe de 4 a été recrutée pour faire un travail, que c'était pour faire exploser le bâtiment et voler un ordinateur. Parce que ça, c'est son. Enfin, on soupçonne qu'il y a eu un vol d'ordinateur et que À c'est cause ce de vol-là hacker, que forcément. l'assassin, le tout dernier, a récupéré. Et en fait, on soupçonne que, donc que. Les 4 ou 5 sont rentrés, ont tué le vigile, sont allés récupérer l'ordi, ont posé des bombes et que le mec les a trahis, les a tous butés, récupéré le butin et s'est barré. Et en fait, il n'en avait rien à foutre de l'explosif. Ou alors on l'a dérangé et il n'a pas pu le faire exploser. Mais ça me semble un peu moins crédible parce qu'on est arrivé relativement tard et que s'il fallait juste prendre une télécommande dans le sac d'un des cadavres, c'est pas notre arrivée qui allait lui empêcher de faire ça, je pense. Voilà. Alors, Donc soit il il n'était pas reste au une idée qui courant. était que avec les trucs à détente, c'est le premier qui rentrait et déclenchait les trucs et ça faisait une réaction en chaîne. Par contre, Possible aussi. l'idée que j'avais évoquée, c'est qu'on l'avait peut-être dérangé en fait. Parce que s'il y avait eu l'explosion, on aurait eu du mal à identifier les quatre corps qui étaient au deuxième étage, parce que forcément ils auraient été un peu réduits en bouillie. Et deux, on n'aurait peut-être jamais su qu'il y avait des hackers et donc potentiellement du matériel informatique qui aurait été ciblé et volé. Et donc en fait, le fait que nous on soit arrivés pour désamorcer le tout, ça a foutu la merde parce que y a une piste quelque part. Donc il faudra peut-être s'attendre à un retour de bâton ou un truc comme ça. Bon voilà, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Et là-dessus, je vais me prendre une grande tasse de café. Ouais. Donc, juste pour tout le monde, ce qui s'est passé à la fin de l'épisode précédent, c'est que, comment s'appelle, sur votre bureau, vous avez reçu les rapports balistiques, les rapports de toutes les intervenants qui sont passés en fait sur la scène du crime. Le seul rapport que vous avez pas, c'est le rapport de particules sur le tapis qui a été qui a été pris sur place, parce que Obi a fait découper la moquette. Et le rapport de particules va prendre beaucoup plus de temps à faire, c'est plus long. Donc, ça avait Alors, déjà clean fumé la moquette, mais là, la découper, faut pas déconner. je voudrais poser juste une question. Dans le rapport du Bomb Squad, on identifiait la provenance des explosifs ou pas? Alors, a priori, c'est un vieux stock militaire qui a été. Connasse. Ça a l'air d'être. Du moins, ça doit. Enfin, c'est un vieux stock militaire. C'est ces explosifs qui ont été utilisés dans les dernières guerres. Normalement, ils sont plus fabriqués, donc les seuls qu'on ça, c'est soit des militaires, soit c'est le marché noir. Oui, non, enfin, ce que je veux C'est dire, c'est que du genre le stock du stock étant qui donné que viendrait d'Afrique du Sud du moment au moment où elle a étant tiré donné que son depuis 20 indépendance. ans, maintenant il y a des marqueurs dans les explosifs qui sont fabriqués dans la plupart des pays civilisés, on a moyen de savoir d'où ils viennent en fait. Et Bah si si tu veux, ils ont été jamais. fabriqués aux États-Unis à l'époque. D'accord. Et du coup, on peut savoir quand est-ce qu'ils ont disparu, enfin, d'où ils viennent, quoi. Donc, ça permet de remonter la trace, quoi. Il faudra chercher dans les archives. Pour le coup. Il faudra farcir de l'archive militaire. Bon en bureaucratie. Donc, juste pour la soirée, ce qui va se passer. La première partie, c'est simple, c'est le roll call du soir. C'est-à-dire que vous reprenez votre service, vous allez dans la salle de réunion avec le capitaine qui va vous faire un topo de la soirée, ce qui a des urgences et qui va dispatcher les équipes. Donc ça va commencer par ça. Je considère que ce qui s'est passé, la récupération des trucs, comment ça s'appelle? Des rapports, ça s'est fait après le roll call, mais on n'a pas fait le roll call, donc il faut faire le roll call. Mais on n'a pas fini, hein. On Voilà, non mais c'est juste pour vous. vous le résumer, quoi, Voilà, mais voilà, je laisse continuer.
Après ça, donc après qu'on ait visité, enfin au matin, quand on a quitté les lieux du crime et qu'on a libéré le bâtiment, il y a Wage, donc attends, Dennis et Daniel, qui sont allés rendre visite à la famille de la victime. Mais il y a un certain Karl Fontenay, patron du Ku Klux Klan de Los Angeles, qui était devant nous, enfin devant eux, et qui ont annoncé à la famille le décès donc de Ferdinand Carter. Ça va rien l'annoncer. Voilà. Et ensuite, nous, donc Lynn et Guillermo et Lynn pour être poli, on est rentré plus ou moins chez nous. Si, enfin, on est allé discuter donc avec le patron du Cucus, enfin le porte-parole du Cucus Clan chez lui dans son bureau, où il s'est passé ce que vous a dit Guillermo. Et après ça, on est allé se coucher et à 16h, on a eu un entretien à propos du décès de l'autre flic de la veille. Enfin, notre première sortie où ça a canardé partout, ouais. En ville, avec les bagnoles et tout et tout. Et voilà. Et ce qui était rigolo, c'est qu'on a reproché d'avoir été trop violente à Lynn et pas assez violente à Guillermo. Mais, voilà. Enfin, c'était pas un reproche, hein. C'était des questions pour savoir oui. Si c'était ouais. Les bonnes approches. Ils ont essayé de nous déstabiliser, quoi. Ouais, voilà. C'était voilà. C'est qui le Ferdinand Carter C'est la première victime. Hein. Le vigile. Ouais. J'en connais un voilà. Qui a pété un câble. Mmh. Ouais. Bon. Et après, bah, c'est à peu près tout. On a eu les rapports. Il y a Sniper qui m'a fait un peu une... Qui s'est senti menacé par mon tableau de chasse, mais voilà. Ah oui, gros tableau de chasse. Ah bah oui, carrément. Oh, c'est plus... Ouais. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à dire ou Non, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Juste, il me faut de nouveau le truc de partage de fichiers, en fait. Dropbox. Ouais, Dropbox. Attends. Ah, oh, ça me saoule. Pourtant, ah. Goûter. Non, tu me dois 10 euros. Pourquoi? Parce que j'ai jamais parié. Ouais, mais j'avais envie de dire que t'avais parié. On avait dit que t'allais te faire péter un câble. Bon, ça me fait pas encore péter un câble, je dis ça me saoule là pour l'instant. On sent quand même que ça monte. oui. C'est... Ah, alors. Tiens, pour tous. Je vous donne vos numéros de plaque. Tous pour un. Ouais. Et importe. Ouais, on peut pas les noter sur la fiche. Non, tu peux le mettre quelque part, dans tes affaires ou autre. Mais... Ouais. Donc Obi, il a déjà le sien. Kevin, ton numéro de plaque, c'est le 271. Tlon, 273. Ok. Sip, 277. Et Wedge, 279. Faut vous le dire quand, ce numéro de plaque? T'es pas obligé de le dire en fait, c'est juste une référence en fait. C'est juste le chiffre que t'as sur ta plaque en fait. Voilà. Ça sert à rien mais c'est rigolo. Ah non, c'est parti. Le dernier des 5 cadavres c'était Ralph comment? Premier King Florence pour une claque. Roman. Roman. Okay. Toujours pas le lien pour la propre. C'était pas le dernier, c'était le deuxième. C'est juste, t'installes le Dropbox. D'accord. Ah oui, tu me l'avais donné par email. Ouais. Sinon, tu vas sur Dropbox. Si t'as déjà un compte, tu t'identifies et normalement, tu dois l'avoir l'invite dans tes. Non, j'ai pas de compte Dropbox. Parce qu'il faudrait que tu fasses un compte en fait, malheureusement. Il me semble que sinon. Ok. Ouais, c'est. Ouais, j'ai trouvé un stabilo, donc je peux repasser sur mes notes. Actuellement, attends, je regarde ça. T'as donné les numéros de batch, j'ai entendu. Ouais. 271 pour toi. J'ai juste entendu que c'était. Ouais, je l'ai envoyé sur wedgeant01hotmail.fr le. Ouais.
je sais, c'est juste que je vais la chercher dans mes mails. Non, parce que... Bon. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Est-ce que Kevin, t'as des questions parce que t'as pas tout entendu? Alors, je pense avoir entendu l'essentiel, j'ai mon numéro de badge. C'est l'essentiel. Okay. Ok. Donc on va sur notre roll out. Non, roll call. Roll call, pardon. Donc en fait, on peut se faire un roll mops. Non, non, un roll call. Hop. Je sais même pas si je suis encore connecté à Roll Steam. Hop là. Tu es là. Bah, ça m'étonnerait que je suis déconnecté là. Je sais pas. T'as qu'à faire un test. Celui-là. Voilà. Non, là. Ah oui, autre chose pour les... pour ceux qui étaient pas là la dernière fois, mais Kevin, toi tu l'avais déjà entendu. Le raccourci a été fait sur Roll Steam et donc c'est point d'exclamation, la caractéristique. C'est majuscule et votre et le et la compétence. La compétence. Et c'est un superbe échec critique. Claire. Comment tu fais déjà pour cette générale? Tu vas dans messagerie instantanée à droite dans les trucs et tu coches commun. Ça t'ouvre le chat général commun. Tu fais quoi? Par exemple, c'est quoi? C'est point d'exclamation. Ouais. Le nombre de carac. Ouais, t'as carac. 2, 3 ou 4. C majuscule. Ouais. Et la compétence associée, bah par exemple, je sais pas, arme de poing. Donc. Non, mais t'as qu'à marquer 8 par exemple. Non, mais c'est juste pour reprendre l'habitude du système. Ça va. Ah voilà. Oh oui, ça va. C'est pas trop dégueulasse. Hein. Ah, j'ai pas fait d'explosion, merde. Alors, on va tester juste. Ah putain. J'ai mis une musique pour tester et que vous puissiez régler votre son. Bah oui, je l'ai pour pas encore entendu. Oui, non, mais pour ceux qui ont. J'entends moi. Mais attends, c'est bizarre, pourquoi ça marche pas? Est-ce que t'as configuré ce qu'on. T'as bien mis à jour Dropbox, t'as bien mis le bon dossier? Ouais. Et en bas à droite, t'as marqué musique ambiance, t'as 3. Et le premier, normalement, il doit défiler. Première musique. Oui, alors en fait, c'est des astérix si ça a marché et ça affiche un message en rouge si ça y a une erreur. Ah bah moi j'ai une erreur alors, je sais pas pourquoi mais c'est en rouge mais ouais, en rouge. Pourtant j'ai bien le truc là-dessus. Configure musique MJ peut-être aussi à ce moment-là, mais les deux fichiers sur le même, les deux dossiers sur le même peut-être. Mais sinon, sur le widget de son, il y a un petit dossier, un petit bouton avec un dossier, cliquez là-dessus et allez chercher le branchement. Ça marche comme ça, c'est démarré tout seul. Je suis en train de télécharger Dropbox. Oui. Ça va prendre. Bah, de toute façon, on va commencer à jouer. Oui, voilà. Tu faisais quoi, Obi, sur le. Directement sur le widget de musique. T'as un dossier avec un. Enfin, un bouton avec un dossier en icône. Essaye de cliquer là-dessus et de citer le chemin directement par là. Ok. Ah, ça c'est Kevin. Je quoi? C'est pas. Sinon ça fait rien. Bon, le truc c'est que si tu réactives le chemin et qu'il a pas recliqué sur une musique. Ça envoie pas le signal de démarrage, hein, donc du coup. Bon, oui, j'attendrai, je verrai bien ce que ça va donner. Moi ouais, ça marche. Hein. J'ai du super son. J'ai lancé une autre musique normalement. Ouais. Donc, c'est pour voir si non il entendait, mais a priori. Pour l'instant j'ai rien, mais. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Hop. C'est bon. Allez. Go, go, go. Alors. Bon, prêt pour tout le monde? Ok, Kevin, ça fatigue. Hein. Donc, il va rester encore une fois ou deux, et puis après, il arrête d'essayer de se connecter. Bon, donc, vous prenez votre service 21h, et 21h01, vous avez votre réunion avec Todd Hawkins, le lieutenant Todd Hawkins, votre lieutenant préféré. Oh, le lieutenant Todd Hawkins. Bon. Je connais pas. En même temps, il s'appelle Crapaud, hein, mais bon.
Ah non, c'est Todd, c'est pas Todd. Tu dis ça devant? Non. Donc, bah, y a pas mal de monde au roll call. Hein, bah... User joined your channel. Ah. Donc, le roll call, il y a assez de monde. Ça va, il y a plusieurs cops. Vous êtes une cinquantaine quand même là. Bon, messieurs et mesdames, ou mesdames et messieurs, dans tous les cas, est-ce que vous avez écouté la météo? Ne répondez surtout pas. On a un petit problème sur les bras cette nuit. C'est simple, ils ont prévu des nuages de gobe en grosse quantité. Et donc je veux tout le monde en patrouille pour assister soit les services d'urgence, soit arrêter tout ce qui traîne dans les rues. Je rappelle que le gob risque de tomber vers 23h minuit et durer toute la nuit, voire jusqu'au petit matin. Petit matin, la relève prendra le relais, mais ça veut dire que toute la nuit, il va avoir une espèce de fumée verdâtre partout dans la ville, et toxique. Ça veut dire aussi que tous les malfrats qui sont un petit peu intelligents vont se servir de cette fumée pour commettre des méfaits. Et que les gens qui sont très cons vont rester dehors. Donc je veux à partir de 23h tout le monde en patrouille. Seuls ceux qui ont des enquêtes prioritaires sont dispensés. Donc je vais donner les enquêtes prioritaires. Donc il passe en revue plusieurs enquêtes en cours. Puis alors, enquête sur... Le cambriolage du Ku Klux Klan. Alors, c'est pas réellement une enquête prioritaire, mais vous avez jusqu'à 23h pour régler des détails. Je souris. Sachant que vous devez passer aussi, descendre à la communication du LAPD, parce qu'il va y avoir une conférence de presse à 22h. Donc, soit vous la faites vous-même, soit vous allez voir la com pour qu'elle la fasse pour vous, et vous dites ce que vous devez dire, ce que vous voulez qu'on dise, et ce que vous voulez qu'on ne dise pas. Comme ça, à 22h, normalement, il risque pas d'avoir trop de monde, surtout avec les nuages de gobe dehors. Donc bon. Bah messieurs, est-ce que votre enquête avance bien? Parce que c'est quand même votre première enquête. Vous sentez une quarantaine de personnes qui regardent vers vous, quand même. Hein. Bah, je regarde vers eux, là, d'ailleurs, moi aussi. Bah, je regarde vers Lynn, en fait, hein, parce que... Ouais, bah ouais. Oui, les investigations sont en cours et malgré les bâtons que nous met dans les roues le Ku Klux Klan, ça avance quand même. Okay. Vous pensez avoir un suspect bientôt ou pas? Non. Ok. Au moins, c'est clair. C'est à peu près ce qui se passe dans la salle, hein. Ça pouf un peu. Mais bon, allez, ouais, messieurs. Je jette des regards assassins à tous ceux qui ont rigolé. Donc tous en selle. Je suis dans mon bureau. Si vous avez besoin de questions quand même. Autre chose. Allez, go. C'est parti. Je suppose qu'on a nos masques pour éviter de sniffer du gob. Faut aller le chercher à l'armurerie. Mais vous avez tous un truc en dotation. Bon. Génial, grosso modo, on va s'intoxiquer pendant toute la nuit. Bah, de toute façon, nous on va aller au service com, on va préparer le truc. Et le temps, ça laissera tout le monde aller à l'armurerie et du coup on récupérera nos masques après. Ouais, bon, je veux bien t'aider, allez. Partenaire. L'armurerie elle est à peu près au même niveau que le garage, de toute façon. Il y a une armurerie au COPS en fait, au même étage. Ah d'accord, ouais, on part, en partant. Bon, alors qui c'est qui descend à l'étage de com? Moi. Ok. Bizarre, il y a eu qu'un seul moi. Ok. Les trois autres, est-ce que vous faites quoi alors? On va chercher nos masques. Pour vos collègues aussi, je suppose? Bah oui. Oui, c'est la question que j'avais posée, on est affecté à l'enquête nous aussi, hein. Ceux qui n'étaient pas là. D'accord. Oui. Vous êtes dessus. Officiellement, c'est Lynn le premier détective. C'est Lynn le premier détective, mais vous êtes considéré comme une équipe de 5 bossant dessus. Rick? Ouais. Hunter. Tu prends le mien? Moi, je suis à mon bureau et je commence si, à lire Lynn, les. On décide autrement pour le coup. Hein. Si Lynn veut pas de vous, hein, vous démerdez. Mais ça, c'est pas moi. Mais ça sera un peu de l'anti-jeu pour le coup. Non, voilà. Non, moi, j'ai un bon. Hein, peu de problème. Donc, Rick, tu prends mon masque, j'attends mon bureau, je prends. Et je commence à lire les dossiers en fait.
Ok, je prends le masque de Ok, vous allez à l'armurerie. Donc à l'armurerie, vous êtes accueilli par l'armurier. Ah, les nouveaux. Alors, elles marchent bien vos armes? Ils marchent bien vos armes? Pareil que vous avez fait un carton il y a pas longtemps. Grand silence. moi j'étais pas là. Donc... Non, mais c'est en général parce qu'il y a aussi normalement. Ouais, avant-hier. Voilà. Bon, ça marche bien, pas de problème. Ouais, bah pas de soucis. Hein. Donc je suppose que vous êtes là pour les masques. Ouais. Lynn n'est pas parmi vous, je suppose. Vous êtes que tous des mecs. Hein. Non, moi je prends celui pour. Il y a Denis okay. Qui est pas là non plus, je prends son masque. Ok. Message de sniper pour Lynn. La semaine prochaine, il veut la voir pour un duel au stand de tir. Alors, je devrais pas vous dire ça, mais les paris ont commencé à donner quand même sniper gagnant. Hein. Alors, c'est quoi? C'est un duel à 6 pas, il se tire dessus ou il tire sur des cibles? Sur les cibles. D'accord. C'est pour ça qu'il y a une autre mortalité dans le coffre. Je voulais juste vérifier hein, oui, qu'on lui donne les bonnes infos. Hein. Donc voilà, comme ça vous avez l'info. Si des fois elle croise pas sniper. Bon, bah messieurs, bonne chance. Et bonne chance avec la fumée verte. Merci. Youpi. Vous voulez qu'on leur ramène une bouteille? Non. Ça veut dire quoi une fumée verte quand pour l'élection du pape? Il n'y a pas de fumée verte pour l'élection du pape. Ah, c'est-à-dire que ça se passe extraterrestre. C'est-à-dire que ça foire quelque part. Ils sont en train de se faire un trip à la ganja et... C'est à peu près ça. Bon. Pendant ce temps, à la com. Ouais. Messieurs, que puis-je pour vous? La secrétaire à l'entrée. C'est quoi notre détective Lynn Grey Reich? Je viens pour l'affaire du merde White Power 88. Une conférence de presse va être donnée et je voudrais dialoguer avec le service com pour ajuster les violons. Il arrive. Donc là, il y a un homme qui arrive bien habillé, bien enfin. Comment s'appelle c'est très smart qui arrive, qui vous en a un. Bonjour, bienvenue. Bonsoir. Alors. Benvenuto. Oh, putain. Alors, un petit coup de générateur. Pouf. Hola, qué tal, compañero. Moi, c'est Donald Swansea. Ok, hop. Moi c'est Guillermo Sanchez. Donc, c'est moi qui suis en charge ce soir pour la conférence de presse, sauf si vous voulez prendre le relais. Non, ça ira très bien. Voilà. On va vous laisser bon, en confiance. Si vous pouvez juste m'expliquer rapidement, alors j'ai lu votre rapport pour l'instant, et bon, j'en sais pas plus que ce que vous avez marqué tout à l'heure. Pour le coup. Si vous avez des choses à me dire que il faut que je dise de d'autres que je ne dois pas dire, c'est le moment de me le dire tout. Parce que, justement, l'intérêt c'est que vous puissiez, vu qu'on est face à quand même un organe de presse attaqué, il y a plusieurs personnes qui sont sur les dents dans le milieu journalistique. Mais bon, comme c'est de l'extrême droite, il y en a beaucoup qui en ont un peu rien à foutre aussi. Oui, il y a une chose en. Une petite boulette qui a été faite par l'équipe en dessous de moi et que visiblement une des victimes, enfin le nom d'une des victimes a fui et du coup les services de police ont été devancés pour prendre la nouvelle à la famille. Alors juste coup, à titre d'info, il faut savoir que a priori le Ku Klux Klan a annoncé qu'il ferait une conférence de presse derrière la. Ah. Heureusement que le ridicule tue pas. Ce que les médias savent aujourd'hui, si vous avez écouté un peu les infos de la journée, c'est que l'endroit a été... des bombes ont été posées dans l'immeuble de WP88. Ça, c'est une confirmé. Enquête du COPS est en cours. C'est confirmé. Voilà. Est-ce que mon nom a filtré? Non.
Non, non, pour l'instant, non. Aucun se passe dans le bâtiment des... du COPS. On donne pas de nom de... on donne pas de nom des COPS, enfin des gens sur les enquêtes de base. Sauf si des gens vous balancent ou si des journalistes sont tellement intéressés qu'ils arrivent à obtenir d'une personne ou une autre l'info. Il y a des rumeurs comme quoi il y a 1 à 5 morts. Bon, ça, on a 5 très précisément, mais bon, voilà. Il y en a qui disent que c'est un que c'est des écolos bobos etc qui sont sur le coup et qui ont tout, qui voulaient tout faire sauter. Alors ça c'est du pur bullshit. Voilà. De toute façon ça c'est pas moi je m'en fiche que c'est de la bullshit ou pas. Vous me dites ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Et surtout qu'est-ce qu'on confirme et qu'est-ce qu'on ne dit rien d'autre. Ah bah moi je serais d'avis à voir avec Lynn si elle est en désaccord ou pas, mais on confirme qu'il y a bien 5 victimes. Une des victimes était le gardien d'immeuble. Voilà. Qu'on enquête encore sur les 4 autres victimes et qu'on est en train, grosso modo, laisser faire la police faire son boulot. Okay. Et puis, voilà. Alors il y a aussi donc, y a eu une effraction qui a été constatée par les trucs et sûrement un vol. Alors, est-ce qu'on cause du vol ? Ah, c'est peut-être pas top, non ? Non, je pense pas qu'il faille en parler. Ouais, ouais non, non, moi je ferais juste simplement les fractions, les victimes, le fait que des bombes ont été posées pour détruire le bâtiment et punto final. Okay. Vous pouvez dire que l'intervention du COPS, l'intervention rapide du COPS a permis de sauver le bâtiment et de désamorcer toutes les bombes. Enfin, donc, du coup, c'est du service de déminage, évidemment. Alors, je vais pas vous. Alors, je vais être franc. Si vous voulez dire ça, vous le faites vous-même. Moi, je dirais que c'est l'intervention du LAPD. Oui, ça me va très bien. Ça me va très bien. Mais... si vous voulez vous tirer de la couverture de la bombe squad et du SWAT, c'est pas moi qui en prendrai la responsabilité. Alors, non, du tout, c'est pas mon objectif. Si on peut éviter de tirer la couverture à vous, surtout, ça m'arrangerait beaucoup. Je tiens à ma petite vie privée. Tu veux rester couvert, c'est ça ? Tout à fait. Au chaud. Quand je sors, moi, c'est couvert. Non, mais voilà, non, du coup, je pense qu'effectivement, ça serait pas mal de mettre le LAPD en avant, sur le point de vue qu'on a permis de sauver après, le bâtiment d'une destruction certaine. Au Gob, je suppose qu'il n'y aura pas grand monde, sûrement quelques excités de journaux d'extrême droite, mais voilà. De toute façon, ça risque d'être relayé et filmé, donc... Le bâtiment a été rendu à ses propriétaires vers 9h, après une manifestation de soutien et de joie spontanée. Hein ? Oui. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà. Bon, bah messieurs, je ne vous retiens pas. Si vous avez des éléments à me faire, à me dire, l'enquête continue à apparaître dans les journaux, on se revoit demain. Et si elle est oubliée des journaux, on se reverra la prochaine fois. Ça marche. Juste un truc, hein, c'est juste. Alors, ça sera pas pour le communiquer, c'est juste parce que c'est juste pour vous le dire. C'est quand même des sacrés gueules d'Iros des Poutas, quoi. Mais à part ça, c'est rien à leur reprocher. En tous les cas, en termes de bruit médiatique, pour l'instant, on est assez faible, assez relié en termes de faits divers actuellement. Oui, bon, ça m'étonne pas. Autre chose à manger au printemps. Passez une bonne journée et enfin une bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Hasta luego, compagnie. Bon, on va récupérer nos masques nous aussi et puis on va se mettre en route. Tout à fait. Alors, histoire de se faire une sorte de. Pour un petit moment, tu compiles tes documents et tes trucs. Si vous avez un peu de temps avant de partir, comme c'est 23h, vous avez de 21h30 maintenant. À 23h, si vous voulez faire des choses, passer des appels en dehors. Est-ce que j'ai reçu mes autorisations de saisie des vidéos Je t'ai dit, tu les as. Les vidéos. Donc, je vais passer des coups de fil aux boîtes agences. On commence à les regarder. On commence à les regarder à deux. Grosso modo, 1 à 2 heures avant qu'on intervienne nous, c'est le plus intéressant. Non, en fait, c'est que vous êtes arrivé. Rappelez-moi à quelle heure vous êtes arrivé. Il était pas loin de. Il était 23h, 23h30, un truc comme ouais, ça. Ouais, regardez entre 23h et 23h45. Ouais, je pense. Moi, j'aurais carrément regardé à partir de 22h, voir s'il n'y avait pas déjà du repérage avant, mais.
Dans tous les cas, vous vous mettez tous à regarder en attendant ou juste deux? Moi, en fait, je cherche un angle qui nous donnait sur l'allée où il y avait la corde, en fait. Ok. Et à partir de eux, quand ils sont arrivés. Alors par contre, moi je vais peut-être pas faire que ça. Ouais. Je veux savoir où en est mon mandat pour aller à la... Enfin, au WP 88 là. Comment ça? Pour aller où en fait? Bah, en fait, le but c'est que je veux qu'il me donne un inventaire de ce qui a disparu. Et de plus, je veux pouvoir parler à des gens qui travaillaient là-bas. Parce qu'en fait, Charles Ryan, il voulait pas parler tant que j'avais pas un mandat ou quoi que ce soit. Donc je veux lui mettre un mandat sous le nez pour lui dire voilà, je veux avoir les informations des gens qui le nom des gens qui travaillent là-bas. Tu veux avoir la liste du personnel. C'est ça, il voulait pas te la donner si t'avais pas un mandat. Ouais. Va falloir négocier avec le proc. Avec le substitut. Et voir le substitut que tu négocies avec. Attends, moi je peux l'accompagner. C'est concerné comme de la bureaucratie ou pas? Oui et non. C'est... Bah, l'autre truc, c'est que je peux chercher sur internet qui s'est camé sur son CV ou sur son compte LinkedIn qui travaille là-bas. Alors que déjà, l'entretien avec le proc, ça sera juste un peu de roleplay, voir si ça passe ou ça passe pas. Bah, en termes d'argument, ce qu'il faut dire, c'est que les personnes qui ont posé pour poser des bombes, il faut connaître l'intérieur des bâtiments. Donc il y a forcément, dans les personnes qui sont couramment dans le bâtiment, une taupe, quoi. Pas forcément. Ouais, mais c'est une possibilité. Bah, en fait, moi, l'argument, c'est surtout que on a volé un ordinateur, ça on en est persuadé, parce qu'il y avait. Tu confirmes, hein, Chrome, ouais. Il y avait bien la trace de la poussière qui indiquait que t'avais un ordinateur, hein, voilà. Donc il y avait des câbles qui pendaient et qui pointaient vers rien, et il y avait un ordinateur qui avait disparu. Donc moi, cet ordinateur, je veux savoir qui y avait accès et tout ça. Et donc du coup, si j'ai demandé alors, au. Il y a quelque chose qu'on a oublié de parler dans les rapports de police. Tout connement, il y avait des empreintes sur le bureau. Hein. Ah. Regarde, ça doit être dans le dossier, ça. Vous m'avez pas dit que vous relevez les empreintes, mais c'est vrai que je vous l'ai pas dit non plus de le checker. Mais oui, sur le bureau, il y a des empreintes. Tu dois bien appartenir à quelqu'un. Alors, c'est simple, il y a 8 jeux d'empreintes différents. Il y en a 3 qui ont été identifiés, à savoir une qui appartient a priori à Karl de Fontanay. Ok, je te vire. Ah ouais. Non, mais c'est... Et les deux autres qui appartiennent à d'autres cadres à des cadres du Ku Klux Klan aussi. Alors, je vais vous donner les noms. Ah ouais, c'était un indice qu'il nous fallait, ouais. Un petit peu, ouais. En même temps, si c'est son bâtiment, c'est logique que ses empreintes, non? Non, c'est pas que bah, pas forcément, c'est pas son bâtiment, c'est le bâtiment d'une chaîne de télé qu'il possède. D'accord. Voilà, c'est pas le bâtiment où il travaille, quoi. C'est pas le bâtiment où il est là tout le temps, quoi. Ouais, mais à tous les coups, ça fait du trafic là-dedans. C'est peut-être là qu'il enregistre ses pornos interraciales qu'il veut pas que tout le monde voit, mon gars. Mais Water. Ça. Héloïse Water. Ouais, ça. Considéré comme des pontes entre guillemets du Ku Klux Klan. Responsable de diverses sections du Ku Klux Klan à Los Angeles. Ok. Et où en est l'identification des 5 autres? Bah, c'est juste qu'on les connaît pas en fait. Elles ont pas été. Elles ont pas été. Elles sont pas dans les fichiers quoi. D'accord. Alors, tu peux les écrire, tu peux copier-coller ou c'est trop chiant? Écrit comme ça se prononce, non? Non, mais c'est parce que j'en ai un, moi, voilà. Louis Water et Thomas Singleton. Vous avez les adresses des deux. Ainsi qu'aussi l'adresse du patron du Ku Klux Klan. Ouais, ouais. Mais le patron du Ku Klux Klan, il sera pas effroyable. Et on pourra pas l'interroger correctement, en fait. Ouais.
Du coup, est-ce que dans les adresses, il y a des gens qui sont proches de l'endroit où on va être ce soir? Ce soir, vous êtes encore à Downtown et Eloise Singleton habite à Downtown. Eloise Waters, bon. Je veux dire, habite à Downtown. On va aller la voir alors. Parfait. Sinon, moi, la vidéo que je t'ai demandé, je cherche vraiment un lieu spécifique en fait, au final. Oui, non, mais déjà, je finissais ça. Oui, oui, d'accord. J'ai compris que tu cherchais un lieu spécifique. Pour te le dire directement, une vidéo de surveillance qui donne sur la ruelle en face et là où il y a la corde, t'en as pas une qui te donne, mais permettra de voir ce qui s'est passé au niveau de la corde. Oui, contre, mais ça, tant que ça me donne la ruelle, en fait. Ouais, mais ça donnera pas toute la ruelle, quoi. Ça te oui, non, mais je m'en fous. Ça me donnera la ruelle. Pas forcément assez. Oui, mais ça me donnera la ruelle au niveau de la sortie de la rue, oui, sur la rue, quoi. La sortie de la rue. Ok. C'est quelqu'un est passé, quoi. Au niveau de l'avant, hein, pas de l'arrière. Oui, bah à l'arrière, tu m'as dit, il y avait pas de sortie de toute façon. C'est ça. Ah si, à l'arrière, c'était une impasse. Oui, c'était une impasse. Mais vu que j'y étais et que j'ai, oui. Il y avait personne. Sauf qu'il s'est barré avant que tu sois. c'est pour ça que je dis que je veux cette ruelle-là. Ok. Donc, rapidement, pour ceux qui sont sur les bandes vidéo, Sip, tu fais de la bande vidéo aussi ou pas? Oui, je fais de la bande vidéo, oui. Perception, c'est pas le moment, on a des enquêtes, scène de crime. Attends. Avec une difficulté de... 2-1. Hein. Après, ça va être suivant le nombre que vous faites de perception. Perception 3. La difficulté, ça fait quoi déjà? C'est le nombre de réussites qu'il faut faire. D'accord. Oh putain. Et quand t'as rien en scène de crime? C'est pas possible que t'aies rien en scène de crime. C'est 7 minimum. T'as 9, je crois, minimum, non? Non, attends, 7. Je sais plus compte. Scène de crime, t'es obligé d'avoir quelque chose. Bon, moi j'ai tout. Des notes alors. J'ai la rhétorique, mais j'ai pas de la scène de crime. Visible, ça fait partie de la base en fait, de la formation. Je regardais ce que j'avais là-dessus. Vous voyez mon signe de victoire, hein? Ah oui. Bon, bah y a au moins un qui verra tout, donc ça suffit. Hein. Oui, mais seulement sur la vidéo que je regarde. Bah, moi. Vous regardez pas les mêmes vidéos, hein, vous êtes partagé le travail. Je vais juste synthétiser pour l'ensemble après, suivant le nombre de réussites qu'a obtenu. Alors moi, il y a des moustiques visiblement dans le bâtiment. C'est pas mal. Pendant ce temps, moi j'ai une question. Eloise Waters, elle a quel âge? 55. Ouais. À 7 alors. Ok. Non, c'est bien moi qui. Elle est pas connue pour être une cougar. Bah tu peux chercher sur le net, sur le réseau. Mais là, sur le truc, tout ce qu'elle a, c'est quelques PV, et en fait, c'est marqué que c'est une ancienne activiste avec d'extrême droite. D'accord. Et aujourd'hui, au Ku Klux Klan. Oui, elle a pas fini d'être activiste, hein, quelque part, mais... Enfin, au moins d'extrême droite. Donc, elle a été notée sur plusieurs manifestations... Okay. Bon, bah, bon, de toute façon, j'ai rien vu. Voilà. Il y en a qui ont regardé les vidéos qui donnaient pas sur l'entrée, mais plutôt là où il y avait une jolie fille qui était que le mec de la sécurité a braqué sur une jolie fille dans l'appart d'en face. Bah oui, quoi. Ça se rencardait, non? Donc, en synthèse, à 22h, il y a une fourgonnette qui se gare devant le bâtiment de WP88. 5 personnes descendent. Ces 5 personnes vont vers la porte. Il y en a un qui tire à travers la porte et il rentre dans le bâtiment. Ok, donc ils sont bien à 5 au départ. Donc il fait bien 6, partie. 6, parce qu'il y a le chauffeur. Ouais, le chauffeur, lui, démarre au moment où il rentre dans le bâtiment et s'en bien va. Bien vu, Lynn. On réussit pas à avoir la d'immatriculation, par contre, vous identifiez le type de véhicule, la couleur. C'est-à-dire? Alors. Hop, que je reprenne la liste des véhicules parce que c'est... Bon, c'est un SUV noir, c'est ça? Hein? Non, c'est un... C'est... Comment ça s'appelle? Alors, certes, il est noir, mais c'est pas un SUV, c'est une... C'est un... Tac, Californian L4. Donc, un L4, c'est un char? Non. Bah, le L4, c'est un énorme char aussi, hein, mais...
Vérifie si je me trompe pas. Il n'y a que 4 passagers dans un L4. Non mais là c'est... C'est L4 comme le chat de l'enfer. C'est ce que je dis. Alors ces véhicules sont aussi utilisés par le COPS, hein, les L4 pour en centre de commandement. Ce qui valide ma théorie que c'est un mec du COPS qui a fait le stage niveau 3 de flingue. Hein. Voilà. Par le COPS, c'est les PD pour comme centre de commandement électronique. Il y a assez de place pour transporter des gens et du matériel électronique dedans. Voilà. Donc, mais du coup, est-ce ça, que à 22h. Est-ce que 6 personnes, après... ça le remplit au complet ou ça peut aller jusqu'à 8, 9, 10? Bah, t'imagines ma camionnette avec des sièges. Ah ouais, ça peut être beaucoup plus en fait. Voilà. Oui, clairement, les vitres sont fumées, donc vous voyez pas combien comment ça, ils passent à l'arrière. Mais clairement, si c'est rempli de sièges, tu peux mettre beaucoup plus dedans. Hein. Je lance une si recherche, il y a pas. On commence à regarder du côté des trafiquants de drogue. Je recherche s'il n'y a pas un L4 noir, enfin un Californian L4 noir, qui aurait été abandonné et trouvé cramé quelque part dans la nuit, quoi. Je finis juste pour les caméras de surveillance. Mmh. Après, le prochain truc que vous voyez dans les caméras de surveillance, c'est quand vous arrivez, quand votre voiture arrive et que vous rentrez dans le bâtiment. Vous voyez personne en sortir, il n'y a pas de caméra qui donne assez dans l'allée pour voir des gens sortir, et il n'y a personne qui sort de l'allée. D'accord. Des deux allées, hein, pour le coup. Ah, donc la ruelle, en fait, il est sorti par ailleurs, quoi, le gars. Bah, il est sorti par derrière, il y a une impasse derrière. Oui. Non, mais on n'avait pas une vidéo surveillance sur l'impasse, hein, non. Qu'il avait demandé. Alors, tu sais que la sémantique de « il est sorti par derrière » parce qu'il y a une impasse derrière, c'est quand même con comme phrase, hein. Ouais, mais Bon. Bah, et donc, Obi, dernière action, donc, c'est... Tu m'as dit... Ah oui, vérifier si... non. Pas de bah. L4 brûlé ou abandonné. Bah, du coup, je mets un trigger, tu vois, je mets un trigger du genre, voilà, s'il arrive, j'ai une notification sur mon bureau. Ok. Voilà, on va dire ça comme ça. Bah, tu sais, tu mets qu'il y a un L4 noir qui est recherché ouais. Pour, dans ça, et puis voilà. Hein, donc, mais bon, okay, en gros, si t'as une notification là-dessus, ça t'arrivera. Ok. Ça marche. D'autres actions pour les autres, avant de partir en... Non, la patrol. Fille sur la vidéo était vraiment sympa. Ben, ensuite, comment est-ce que... On fait, alors, c'est éplucher le plus possible les dossiers jusqu'à ce qu'on doit décoller, quoi. Bah, vidéos, ça vous prend un bon moment, hein. Ouais. Ouais, mais moi, j'ai regardé que 45 minutes, ouais. En fait. Tu sais, tu les regardes en accéléré en même temps. Voilà, ouais, c'est ça, donc ça dure quoi. Donc, c'est quoi que tu veux faire, tu m'as dit, éplucher les dossiers, pourquoi? Plucher les dossiers, voir. À l'économe. Voilà, c'est ça. Voir dis-moi si. Dis-moi ce que tu cherches, c'est surtout ça en fait. Attends, je réfléchis. Bah. Un détail qu'on aurait raté. Le tueur. Quoi, en fait. C'est ça, c'est un détail qu'on aurait raté. On a les empreintes, mais ça nous sert pas à grand chose. On peut toujours aller voir. La gonzesse, là. On a l'identité des morts, de toute façon, ça c'est fait. On a les calibres. Mmh. 9 mm oui. Pour ce duo. Ce duo et l'autre c'était un. Du 762, 0,50, quoi. Ouais, 0,50. Ouais, juste une question aussi sur les silhouettes des personnes qu'on va sortir. Ouais. C'était visiblement que des hommes ou pas? Ouais, a priori que des hommes. Après, il faudrait comparer ouais. Avec la taille des autres pour voir si il y en a un qui, si vous trouvez la taille de celui du cinquième. C'est ça. Mais ça. Mais moi, qui les ai bien, qui ai bien vu la scène, hein, qui a bien étudié la scène de crime, donc j'ai vu les corps des quatre gus. Est-ce que j'ai une idée de lequel a survécu en fait dans les cinq? Est-ce que c'est le plus grand, le plus petit, voilà, est-ce qu'il est... Oui, remarque, ouais, on peut, je peux bah, faire... Tu me fais un petit jet, pareil encore, pour le coup, c'est vachement précis, donc, on va dire, ouais, bah ça reste de la perception... Ça... Alors, je vais pas dire déguisement... Ça peut être de l'éducation, si on se rappelle, en fait, je sais pas... Ok, si... vas-y, sur de l'éducation...
Éducation tout court, donc sur 6, quoi. D'accord. Oh, le jet de merde. Ouais. Bah, t'es pas sûr, hein. Putain, mais t'as 5D, quoi. Ouais, c'est ça qui est bon. Ça fait peur. Ouais, alors attends, j'en ai peut-être 6. Non. Ah oui, t'as un dé bleu. Non, 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 j'ai un dé bleu, mais j'ai... Non, mais c'est si j'utilise mon équipement. Alors, Guillermo. Oui. Pendant que t'es en train de regarder tes vidéos derrière toi, il y a une copse, a priori, comment ça s'appelle, d'origine asiatique, qui regarde ce que tu regardes et qui soupire. Et que je remarque en train de soupirer. Ah bah oui. Oui, bah, c'est pour le besoin de l'enquête. Ouais, c'est ça. J'étais juste en train de relever un numéro de voiture de la nana qui se barrait, c'est tout. Ah, elle est partie dépitée dans la salle de pause. Je comprendrai rien. Okay. Est-ce que je vois ce que Guillermo regarde, en fait? Oui, il a pris une des caméras qui était centrée sur un appartement d'une nana. Guillermo? Si? Oui. C'est normal, ça? Ah non, c'est pas du tout normal. Elle ferme la fenêtre directement avant d'éteindre la lumière. C'est... Généralement, on fait forcément l'inverse. C'est suspect, c'est pour ça que j'enquête dessus. Pas blame, c'est tout. Pas blame, c'est tout. En même temps, tu m'as posé la question beaucoup trop rapidement, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Bref. Bon. À part éplucher les dossiers... Bah, tu sais, c'est tout ce que je vous ai dit, hein, tout ce qu'il y avait dans les dossiers. Pour ouais. Donc il n'y a plus grand chose à avoir. Ce qu'il va falloir savoir, c'est ce qu'il y avait dans le PC portable. Même si Rick, j'ai un... Hein oui. Est-ce que tu pourrais passer à cette adresse, discuter avec Héloïse Waters? Bah oui. Je pense qu'elle sera peut-être... Tu seras plus aimable que moi parce que... Le bâtiment et ce qui a déjà été déjà pour voir si nous l'avions. Bah en fait on a trouvé ses empreintes sur, oui. Sur le bureau à proximité de l'ordinateur. C'est toi qui vois quand tu la abordes. Après l'idée c'est de savoir si elle a une idée de ce qui se passait sur cet ordinateur, qu'est-ce qu'il faisait. Et voilà. Mais comme c'est la seule dans le quartier où on est en patrouille, je m'étais dit que ça mange attends, pas de pain. Elle fait de... quoi? On sait ce qu'elle a comme fonction dans le... Elle est cadre. Oui, c'est vague. Ouais. Oui, mais elle est responsable d'une antenne du Ku Klux Klan dans Los Angeles. Tu sais, t'en sais pas plus que ça. C'est pas l'antenne de WP 88. Elle travaille comme secrétaire à la mairie. J'irai avec Rick. Ah, ok. Oui, bon. Allez-y, hein, ça me dérange. Sinon, moi j'ai un coup de fil à passer vite si possible. IRL ou... Non, en jeu. Vas-y, passe ton coup de fil. Alors, j'appelle Henri. Henri. Henri Murdoch. Ah, oui. Voilà. Allô. Ouais, salut. Salut Henri, c'est Denis. Ah. Ouais. Je te dérange pas trop. Bah, j'allais me coucher. Je t'appelle juste au bon moment, alors. Ouais, vas-y. Ouais, tu sais que j'ai rejoint le COPS et tout. Ouais. J'ai une petite enquête en cours et je pense que tu pourrais m'aider. Ouais. Ouais, c'est bon. Bah, demande toujours, après je peux, voilà. Je peux pas te dire. Si je te donne des numéros. Attends, HRP. On a les. Comment les pins de C4, ils ont des numéros. Bah oui, mais enfin, il y a des numéros de série, oui. Oui. Mais, Bah tu peux lui demander où est-ce que lui il achèterait ça, quoi. Voilà, est-ce que si je te donne un numéro de série d'explosif. Ouais. Ouais, parce qu'en fait il a connaissance trafic. Ouais. Et... Oui, non mais. Voilà. Donc, pose ta question, va jusqu'au bout de ta question, gros, parce que là, je demande ce que tu veux. Est-ce que tu pourrais m'aider à savoir si ça vient du marché noir ou pas?
Pas vraiment. Pas vraiment. C'est trop vague. Comment Ouais. Je vérifie un truc. Tac tac. Mais pour non, moi, non, moi j'y connais rien. Non, c'est parce que pour moi trafic c'était trafic en tout genre. Oui oui, mais sauf que c'est il faut que tu sois niveau 3 avec lui. Niveau 3 trafic avec. Ah non, t'es à niveau 2. T'es niveau... Toi t'es niveau ah, 2. Ah oui, niveau 2. Donc il t'en parlera, il t'en parlera pas. Hein. D'accord, donc en gros, je le sais, mais il m'en parlera pas, c'est ça? Non, 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 c'est tu le sais HRP. D'accord, je le sais HRP. Ah donc ok, donc mon action était dans le vent en fait. Non, à part que tu l'as inquiété. D'accord, ok. Bonjour, je suis du cop, tu pourrais me trouver des faux explosifs? Salut! Pas des explosifs illégaux? Oui? Oui, non, mais voilà, c'est. Genre, ça revient dans le. Je t'enregistre là! Non, mais le truc, alors. Le truc, c'est que je ne savais pas qu'il fallait que je sois à niveau 3. Pour non, pouvoir mais. C'est pas grave, hein. Non, mais et puis en plus, je l'ai passé avec mon téléphone portable, pas avec le téléphone du bureau. Oui, non, mais c'était façon de parler, c'est voilà. Contrôlé. Hein. Donc, en voiture? Ouais. Donc, ouais. Voir la nénette. Simone et ouais, alors du coup, ça va être un peu tard, hein, donc il faudra faire soit le maintenant, soit à la fin de la journée. On fonce tout de suite, hein, de toute façon, ça c'est clair. 23h, c'est un peu tard quand même. Hein. Ouais. Bonjour, on vient vous poser des questions, c'est le COPS. On vous réveille. Oh, c'est dommage. Oui, maintenant on va commencer la patrouille, son malentra après. Ok, vous récupérez votre voiture, c'est la même qu'hier. Votre numéro, c'est donc... C'est vraiment la même qu'hier, ça faut la ramener. Hein c'est... Voiture 5, COPS 6 et 7. Voiture quoi? Voiture 5. 5, COP, 6, 7. Alors je sais pas qui va dans la 6 et qui va dans la 7. Je vais dans la 6. Moi je vais dans celle qui sent pas la pisse. Je vais dans la 6. C'est dans la 6. Parce qu'on a déjà donné la dernière fois. C'est dans la 6 qu'il faut que j'aille moi. C'est dans la 6 aussi. Bon. Donc les autres sont dans la 7. Ok. Voilà. D'autres questions? Donc c'est dans la 6 que ça pue, hein. Oh merde! Je pensais que c'était la 7. C'était la bonne. Bon, tant pis. Elle a pas été lavée depuis, hein. Bah non, les mecs ils s'en servent en journée, elle est déposée, c'est à vous. Si vous voulez la laver pour que ça sente plus, c'est à vous d'aller le faire. Dans tous les cas, quand vous sortez avec votre voiture de patrouille, dehors, il y a un superbe brouillard vert. Et ce qui est sympa avec ce brouillard vert, c'est que toutes les lampadaires sont rouges. À titre d'info, ça veut dire que le seuil critique est atteint. C'est-à-dire que si vous sortez, il faut obligatoirement les masques, là, à ce niveau-là. Minimum. Et c'est, je dis bien, minimum. Ouais, mais est-ce qu'on a une tenue complète, en fait, avant de sortir? Bah, si vous voulez pas récupérer l'armurerie... Récupérer avec les masques. S'équiper, hein. Les masques, vous m'avez dit, hein. Ah oui, bon, on va chercher le reste, à ce moment-là. On va être un peu en retard. Et avec ce nuage de gobe, de toute façon, on pourra pas aller... Moi, je suis retourné à l'armurerie, j'ai tout récupéré. Et le mec m'a dit que j'avais un concours à faire, un concours de lutte à faire demain, c'est ça? Oui. Ouais, ouais. Et il t'est donné perdant. Oui, bah, pas grave. Donc, de toute façon, on va patrouiller. C'est dans une semaine. Si je gagne, ma vie sera un enfer au COPS, donc... Il vaut mieux que je perde. Bon. Dans tous les cas, vous êtes en voiture. Vous patrouillez séparément. À la radio, donc, vous avez la radio qui crache, hein, les anges qui sont là. Bon, bah, messieurs, bienvenue dans le nuage de Gob. Alors, à titre d'info, on a en parallèle de la forte affluence de Gob, les éoliennes qui sont censées repousser le Gob de New Downtown sont en partie en carafe. Youpi. Fait que le nuage a atteint des seuils critiques. Nous déconseillons de sortir sauf quand c'est nécessaire. Dans tous les cas, bonne patrouille. Je vous rappelle vos rues, donc elle vous donne les rues où vous êtes affectés en patrouille. Et je vous préviens en cas d'urgence. Merci bien.
Dans tous les cas, si vous voyez des gens dehors, n'oubliez pas de les vous arrêter, de les récupérer et de les mettre à l'abri. Ils n'ont pas le droit. C'est, ils violent, une, même si c'est pas un couvre-feu, c'en est pas loin. Donc toute personne dehors doit être rapatriée à l'intérieur d'une maison ou dans un centre style hôpitaux, qui vont être bondés, qui le sont déjà d'ailleurs. Ah, au fait, Rick, il en a fait quoi de l'alcoolique là qu'on avait Bah, il s'en rapporte. D'accord. Toi, l'alcoolique, tu l'as pris en charge, hein. T'étais pas avec eux pendant l'intervention au KKK. Oui. T'as récupéré l'alcoolique, il a été soigné, tu l'as mis en cellule de dégrisement, t'as rédigé un rapport, et le matin, il est reparti. Youpi. J'ai touché une prime pour mon fait glorieux. Non. Dans tous les cas... On va peut-être le retrouver, hein, en train de se farcir une voiture au gob. Hein. Dans tous les cas, la voiture 6 ou 7... allez, un petit jet de dés. Je t'en prie. 1, des 2. Donc 6 c'est pair, 7 c'est impair, donc 1. Guillermo, on est dans quelle voiture? Donc la voiture 7, vous êtes affecté à une parcelle de l'autoroute. Génial. Bon, ça tombe bien, ce soir il y a pas grand monde. Bah, il va pas avoir grand monde, donc c'est déjà ça. Pourquoi c'est eux sur l'autoroute? Parce que nous, on s'était tapé le bâtiment avant et c'est... Ouais. Et donc, au milieu de l'autoroute, il y a une personne qui déambule. Oh putain. Génial. On l'a pas vu. Il y a trop de brouillard, hein. On l'a pas vu, on roule dessus. Voilà. Ping. Hein. C'est, alors, c'est quel genre de personne? Alors, elle a un masque, c'est, pour l'instant, ce que, le truc, c'est que tu vois la silhouette dans la brume verte. Oh putain. Eh ben, allume les gyrophares, on s'avance et on va lui mettre une lampe de poche dans la gueule. On va voir ce que ça fait. Allez, gyrophares allumés. Ok. A priori, il est en train de courir à l'opposé, tout droit, maintenant. Pas vers vous, hein, dans l'autre sens. Pour échapper aux gyrophares. Ça a l'air d'être suspect, ça, non? Bah, quelque part, s'il rentre plus vite chez lui, Donne-y un coup d'accélérateur histoire d'essayer de le coincer. C'est toi qui conduis, hein. Ah bah, j'y vais, alors. On va se faire plaisir. C'est pas moi qui vais conduire, hein, ça c'est clair. Tu me fais un petit jet de coordination, monsieur Tlon? Brume, distance à... Les distances, tout ça... Alors, coordination conduite. Et sur conduite. Ouais. Coordination et conduite. Je pense que ça réussit. Hein. Il va voir que je vais réussir à la louper. Non mais... Hey. Tu freines et tu le percutes. Il tombe au sol. Alors là, tu vas le chercher. Oh putain, je le savais maintenant. Mais qu'est-ce que t'as fait? Je vais foutre le masque et puis je vais sortir pour voir dans quel état il est. Pendant ce temps-là... Moi je le mets, hein, dès qu'il s'ouvre la porte. Ouais. Pendant ce temps-là, dans l'autre voiture... Voiture 6. Alors, vous êtes en patrouille, vous, donc, dans les petites ruelles qui bordent South Central, à côté de Downtown. Et vous remarquez qu'il y a beaucoup d'agitation dans un petit magasin. A priori, il y a une voiture qui est rentrée dans la devanture du magasin. Ça veut dire que le gob, il est en train de s'infiltrer. Bah, voiture bélier, cambriolage, tout ça. Ouais. Alors. Pillage. Deux secondes. En tout cas, il y a pas mal de lumière. Hein, dans oui, mais de toute façon, bah. Eh ben, tu enfonces la voiture encore plus. Non, mais je regarde juste tes codes. Si ça, elle dépassera pas et tu pourras me dire. Si tu le connais pas le code, tu le dis tel quel ce que t'as. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit exactement? On voit une voiture enfoncée dans une vitrine. Dans une vitrine. Voit... De la lumière à l'intérieur de la vitrine, mais pas une lumière fixe, hein, plutôt des torches. Ok. Bah, je dis. Vol en cours à telle adresse. Ouais. Ok, vous donnez l'adresse et vous dites vol en cours.
Ok, bah vous avez besoin de renfort? Il y a combien de lumières qui bougent? Tu dirais 2, peut-être 3. Ça devrait aller. On peut demander une voiture supplémentaire au cas où. Ouais, voilà. Ouais, une voiture supplémentaire au cas où. Cambriolage en cours, voilà. Donc, ok, je vous envoie une voiture de patrouille. Ok, et nous, bah, on s'approche. Et puis bah, je m'approche, feu éteint, je coupe tout, gentiment. Et puis ensuite, on finit à pied pour pas qu'ils entendent le bruit du moteur. Ok, donc vous sortez de la voiture, vous claquez la portière et... Je sors mon Afrikaner. Oui, je sors mon arme. Ok, et retour sur l'autoroute. Bon, bah, Tlon, a priori, il y a devant toi un mec, bah, il est tout vert, il a l'air de cracher, il est tout souffreteux. A priori, il a pas de trace de te... T'as dû le percuter pas très fort, mais il est au sol et il tremble. On va le foutre à l'arrière de la bagnole. On va pas l'interroger. Alors, clairement, de ce que tu vois, le mec doit être infecté par le gob depuis un certain moment. Sachant qu'il y a officiellement 5 phases, tu dirais qu'il est en phase 4. C'est-à-dire qu'il est, il n'est pas l'article de la mort, mais c'en est pas loin. Bon, faut la dire rien. La phase 5, c'est la phase où il crève, c'est pas ça? C'est ça. Bon, ben, on va demander une ambulance, déjà. Ok, donc... Il faut que je retrouve le truc... Le cop, ça va des prérogatives d'euthanasie rapide, non? 10,52 pour la demande d'ambulance. Non, c'est 900. 10,52, ouais. 10,52, et je donne la position sur autoroute. Alors, et je le fous à l'arrière de la bagnole. Toutes les ambulances sont occupées. Vous avez besoin de besoin d'un médecin sur place ou vous pouvez l'amener directement à l'hôpital? On devrait pouvoir l'amener à l'hôpital, mais ça fait convacter la zone de patrouille. Ah, mais voilà, vous êtes, bon, okay, vous êtes mis sur une intervention, vous pouvez l'amener à l'hôpital. Ok, bien reçu, on y va. Désolé les gars, toutes les ambulances sont occupées avec le gob. On comprend, de toute façon. Alors, moi. Qu'on lui amène nous, qu'on attend une ambulance, je pense que c'est pareil pour lui. Donc, allez, c'est parti. Alors, moi, clairement, moi je ne touche pas le mec là. Hein. Je garde mon masque dans la voiture. Hein. Ah bah, et à la limite. Ah oui, non, mais tu te débrouilles, hein. Je veux dire... Oui, bah on va faire ça vite, fais-moi confiance. Moi je te supporte, hein. Sachant que t'as pas signalé que c'était un mec qui était atteint du gob, hein. Non, j'ai pas signalé que c'était un mec qui était atteint du gob. Bah, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Parce que si on arrive à l'hôpital... Vous avez pas l'habitude de le prendre en charge, donc c'est la première fois pour vous que vous prenez en charge un gars qui est... Mais dans les manuels, il n'y a pas écrit... Punto final. Non, bah, y a pas écrit quand le mec est ouvert, laissez-le tranquille, amenez-le à l'hôpital, non, y a pas un truc comme ça. Non, pour le coup, vous avez pas de proche qui a atteint du gob, vous êtes pas plus intéressé que ça au gob jusque-là, donc. Allez, on fonce à l'hosto. Ok. Avec Sirène, je suppose. Bah oui, bien sûr, et je parie que tu vas me redemander un jet de but. Non. Même pas. Non, y a personne sur la route. Bah par contre, sur l'autoroute, je me fais plaisir. Alors. Justement, je me fais plaisir. Allez, 4 dés noirs, allez! Pour l'instant, vous êtes sorti de la voiture, flingue en main. Ouais. Oui. J'active ma caméra. Et puis, tu signes à Rick. On va observer quand même, ouais. Tu observes, tu restes devant. Je vais faire le tour, voir s'il n'y a pas une porte derrière. On reste en communication constante. Ouais. Donc tu fais le tour du bâtiment, c'est une petite supérette. En petit footing comme il faut, ouais. C'est classe. Au milieu du gob. Au milieu du gob et en tenue... En tenue NDC protection. Bah c'est ce qu'on a été chercher avant de partir, hein. Donc on l'a passé. Hein. Ok. À l'arrière il y a bien une porte, elle est ouverte. Ok, j'ai la porte derrière qui est ouverte. Qu'est-ce que je vois de devant quand même? Donc je suis approché, on voit mieux. Alors, de devant, ce que tu vois, c'est que, bah, a priori, je peux toujours pas créer de plan. Ça, c'est chiant. Donc, bah, d'ailleurs, j'ai pourtant. Ah, mais. J'ai de plan, non? Bon. Alors, je vais ouvrir en image. Donc, devant, ce que tu vois, c'est. Bah, il y a la voiture qui est. Tu vois que la voiture, en fait, a été renforcée à l'avant et qu'elle a bien servi de voiture bélier pour ouvrir. Et a priori, il y a
Il y a quelqu'un au volant. T'as pas vu. Et t'entends du bruit dans le à l'intérieur. On a trois lampes, on a quatre personnes. Et ouais, il faut au moins une deuxième voiture. Hein. Cambriolage en cours plus quatre personnes. Non, mais c'est bon, t'inquiète pas. Tu menottes tout de suite celui qui est au volant, tu approches discrètement en faisant le tour sans te faire voir, et tu le frises, et n'oublie pas de lui dire ses droits. Ok, bon bah je m'approche de la voiture en braquant le gars et je lui dis monsieur, vous êtes en état d'arrestation, et je lui dis ses droits. Attends. Là tu lui dis monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Je braque bien, hein. Le mec, ouais, je tire. Tu me fais un jet de carrure intimidation. Hein. Ça va être drôle. Ah bah, on va voir si. Attends, mais je suis mauvais en carrure, en intimidation, c'est vraiment pas mon truc. Ah bah, j'ai rien en intimidation de toute façon. Bah, tu le fais sous 9, et je veux au moins une réussite pour le coup. Parce que t'as une arme et que effet de surprise. Alors, comment je fais déjà? 2 et 9. Et voilà. Voilà. Donc, parfait. Le mec il a les mains sur le volant, il lève les mains. Okay. Enfin, il les laisse poser devant sur le volant. Mm-hmm. Il bouge pas. Je lui dis, bah ouais, mais je vais lui dire de sortir de la voiture, hein, je suis obligé. Non, ouais. Si, hein, parce que si j'approche les mains, je vais pas me mettre à la bête de lui, à commencer à le menotter. Hein. Donc je lui dis de sortir de la voiture, calmement. Ok. Pendant ce temps, Wedge, tu fais quoi? Je vois quoi de la porte ouverte? Regarde discrètement. C'est la réserve de la boutique. D'accord, il y a de la lumière? Pas dans la réserve. Bon, j'avance discrètement. Je pense que c'est une très mauvaise idée de se séparer comme ça, mais ça c'est un peu. Ouais. T'inquiète. Je. T'as vous voulez que je vous filme mes règles de cops? Hein? Règle numéro 1, ne jamais abandonner son partenaire. Hein. Mais... C'est ce que je me dis là, parce que je me dis ça va être compliqué de le fouiller, de tenir en joue et ouais. La lumière. Et votre voiture en fait elle arrive ou pas? Pas pour l'instant. il fait vraiment noir dans la pièce? Ouais, bah. C'est la nuit, il y a du globe, et la seule lumière que t'as, c'est les lampes rouges extérieures. Donc, ouais, autant dire que tu vois pas grand chose. On voit pas grand chose. Reviens à ce moment-là, merde. Non, enfin, mais je veux dire, c'est con, si t'allumes ta lampe torche, tu feras une cible. Non, mais je prends ma lampe et puis je l'allume 2 secondes et je l'arrête. Hein. Ça, tu fais un message, hein. Tu sais, tu dis t'es là. Oui, mais c'est pas grave. Mais d'un côté, ils vont venir vers toi, ça va être cool. Non, ils vont pas. ok, là, tu me fais un. Un jet d'intelligence. Coordination, discrétion, avec peu de réussite. D'accord. Discrétion, c'est ça? Ouais, discrétion, normalement t'as déjà ça. Ouais. Ben, je crois. J'ai 7. Oh allez. Ouais, réussi. T'allumes, tu éteins, t'as vu qu'il y avait un mec allongé dans son sang. Ouais. Je sais ce que ça fait. sur notre position, homme potentiellement homicide. Blessé. 187, c'est homicide. Oui, mais. La voiture de patrouille arrive dans 2 minutes. On est assez surchargé. Vous voulez dire. Regardez, c'est sur la caisse, y a pas eu de monde. On sait jamais. 4 personnes, cambriolage avec homicide. Hein. C'est quand même. Il reste combien de. T'en as arrêté un. Il y en a potentiellement 4. Donc il en reste plus que 3 dans la boutique. On attend pas forcément les renforts. On peut toujours essayer de surprendre discrètement les 3 autres. Pas ce qu'il t'harcèle, hein. Pour le moment, j'y arrive, d'accord. Bref, moi je m'avance doucement. J'ai bien noté où était le corps. Ouais, t'as noté, t'as vu à peu près la dispo, c'est en bazar, a priori ils ont tout foutu en l'air les mecs. Y'a une autre porte? Bah ouais, qui donne dans le magasin. Ok, je vais jusqu'à l'autre porte. Elle était ouverte ou fermée? Elle est entre-ouverte, entre-baillée. Entre-baillée, d'accord. Donc, pendant ce temps à l'avant...
Bah, le mec, je lui fais signe de sortir. Alors, il ouvre la porte. Mmh. T'as toutes les lampes qui se braquent vers la voiture. Il a entendu la porte. Qu'est-ce qu'il y a, Johnny? Il y a quelque chose? Ouais, il y a un flic! Oh merde! Abat-le! Je lui dis, vous êtes en état d'arrestation. Moi, enfin, je suis quand même planqué un peu. Hein. J'espère que je suis pas debout au milieu de nulle part. Enfin, je suis pas complètement crétin, donc. T'étais à côté de sa vitre, hein, quand même. Hein. Donc, y a, en gros, entre le magasin et toi, il y a une portière. Hein, et lui. Eric. Bah, je passe dans la voiture et moi je les braque et je leur dis. Attends, tu mets plus en joue le gars qui était devant toi. Non, Rick, réfléchis. Je le cale derrière la voiture, non, mais la voiture fait le bordel. Non, mais c'est lui qui fait. Non, mais t'as. Ok, tu fais ça. Ouais, tu fais quoi? Enfin, ouais, et merde. Bon, j'ai entendu ce qui s'est passé. Ah oui, t'as tout entendu. Denis, tu fais quoi alors? Est-ce que par l'entrebâillement j'en vois un? Là, t'étais en train de t'approcher. Là, pour l'instant, tu prenais ton temps hein, pour avancer, donc. Ouais, discrètement. Faut réagir rapidement, là, pour le coup. Ouais, mais il me faut un visuel sur. Ok, tu te rapproches plus rapidement de la porte. Un peu plus rapidement, mais en gardant la discrétion. Ah bah, tu me refais un jet, hein. Coordination, discrétion. Donc le même, quoi. Ok. Non, c'est bon. Alors, tu arrives vers la porte, tu vois en fait qu'ils sont tous en train de courir vers la voiture. Fais diversion, Rick. Gueule, cops. Oui. Non. Donc, attends, Rick, de ton côté, tu vois les mecs qui sont en train d'arriver vers la comment ça s'appelle, la truc grillé, le volet en métal qui était défoncé. Ils sont armés ou pas? Tu vois pas. Tu as pas vu s'ils étaient armés pour l'instant. Mais en fait, ils font un refus de tempérer là, non? Bravo. Mais en même temps, tu les as. Bon, qu'est-ce que tu fais? T'as pas le temps de réfléchir à ce qu'ils font, non, tu dois réagir. Je leur ai bien dit, police. Non, t'as pas le temps, t'as pas le temps. Non, mais qu'est-ce que tu aurais dit au tour d'avant, c'est ça que je veux dire. Bah, t'as dit que. T'as dit que. Comme vous êtes en état d'arrestation. Bah, je tire un coup de feu en l'air. Donc, tu tires un coup de feu en l'air. Ok, le mec est devant toi, il se barre en courant. Ah oui, tu le braquais, t'as levé ton flingue, il s'est barré, en courant. Oui, et les autres, ils continuent à courir vers moi? Ah bah les autres, ils essaient de passer entre la voiture et le grillage pour courir, a priori. C'est quoi les règles dans ce truc? T'as le droit de tirer si jamais les mecs font un délit de fuite? Normalement, faut éviter quand même, normalement. Non, c'est pas vraiment de la légitime défense, quoi. Non, mais c'est pour savoir quelles sont les règles, tu sais, moi, aux États-Unis. Si tu te sens menacé, t'as le droit de tirer. Voilà, si tu te sens menacé, t'as le droit de tirer. Là, pour le coup. Ils menacent pas du tout. Bah, c'est ça. Ça dépend. Je cherche le code parce que j'annonce à la radio délit de fuite. 4 personnes en fuite. Tu fais quoi, Wade? Bah, j'ouvre la porte. Quand je bougeais plus! Ok, jet de carrure intimidation. Tout en finesse. Ça va être marrant. Deux de difficultés, et par marge de réussite, c'est le nombre de mecs qui s'arrêtent. D'accord. Dans les quatre. Ah ouais? Je regardais juste. Donc, il y en a un qui s'arrête et qui lève les mains. Okay. Rick, tu t'en charges! Et je commence à courser les autres. Ok, et moi j'adore qu'il y a un délit de fuite, il y a 3 personnes en fuite. À pied! À pied, ils à sont pied. À pied! Et je sais plus ce que c'est le délit de fuite. Non, mais c'est pas grave, t'annonces le délit de fuite. Mais vous avez pas pensé que c'était peut-être pas mal d'attendre qu'il rembarque dans la voiture et débarquer là et bloquer la voiture? Non, mais tant pis, on s'en fout. Bon! Bon, bah j'arrête l'autre en attendant. Attends. Oui, je lui ses droits et je lui fous. Oui. Non. Là, ils sont tous partis en courant sauf un. Donc, tu vas lire les droits à l'autre, mais moi, je veux d'abord faire la poursuite. Donc, vous commencez tous les deux avec 4D. Donc, des blancs. Donc, sous athlétisme. Raciste. Bah, c'est parti. Hein. La course, il vaudrait mieux prendre des noirs. Mais athlétisme, tu choisis le nombre de réussites. Oh, la c'est voiture, ça. Elle n'arrive pas, au fait, notre voiture de flic. T'en dis 2 minutes, il s'est passé même pas 10 secondes. Attends. Alors, j'ai 4 dés blancs, c'est ça? Ouais, lui aussi. Je dis 2.
Ok. Deux réussites, et donc... alors, 4D, donc ça fait 4C, et après, bah, le truc, c'est sous ta caractéristique d'athlétisme. D'accord. Donc, sachant que tu peux en prendre qu'un seul en poursuite, hein. Fuck ! Ouais, mais lui aussi. Attends, mais moi, c'est... Ouais, ça, ouais. Bah... bah, vous courez après, dans les rues... Allez, deuxième lancé. Ouais, mais du coup, c'est... Non, on n'a pas d'échec, non, là, de toute façon. Rien, là. Vous courez à pied, l'un après l'autre. Vous avez rien perdu l'un et l'autre. Allez, relance. Putain ! Ok. Je prends un dé, c'est ça ? Yep. Tu perds un dé ou tu mets un dé noir ? Je vais mettre un dé noir, hein. Je suis obligé. Ok, tour suivant. C'est lui qui a gagné, donc... Ouais. Ah, mais de toute façon, c'est... Ah non, mais tous les deux avaient échoué, de toute façon, parce que t'es toujours sur 2. Tu m'as dit 2, donc... Oui. Donc non, en fait, ça bouge pas, pour le coup. D'accord. Tu avais tous les deux échoué. Donc, vas-y, relance. Tu mets toujours 2 ? Oui, oui, je mets toujours 2. Ok. Bon, bah, c'est... Mais putain, putain le... Attention, si le prochain, c'est un échec, il t'a paumé, hein. Parce que il connaît les ruelles. Allez, bon, voilà. Bon. Il prend 3, c'est ça ? Non, vas-y, à toi, lance ton dé pour le... Ah oui, oui. Ah oui. Ouais. Super. Bon bah, il te met un dé dans la face. Oh, fais chier. Ok, il choisit lui de mettre une seule réussite sur le prochain. T'as le droit de mettre 2 ou 1, comme tu veux. Ou 0, mais 0 ça me paraît bizarre. Toujours 2. Ok. Toujours 2 et je lancerai le dé noir aussi. Ok. C'est le premier résultat sur le sur les 4D, c'est le premier les premiers résultats sur les noirs. D'accord. Tu lances toujours le même dé, c'est juste que le premier c'est le noir. D'accord. Ah, putain. Ouais, mais j'ai mes deux réussites, mais pas sur le noir. Donc tu... ouais, il rattrape. Non, il a fait son 1, donc statu quo. Oui, mais t'as deux réussites quand même. Ah oui, j'ai deux réussites comparées. C'est ça l'intérêt, c'est que justement tu passes au-dessus. Donc j'ai deux nouveaux 4D blancs. Non, ça fait pas ça. D'accord. Ça fait qu'il perd un dé par rapport à ta réussite, c'est-à-dire qu'il passe, il perd un dé. Un dé blanc. Tac. Et les dés noirs sur noir, la marche à pied, que je dise pas une connerie. Donc t'as fait. Ouais, donc. Ok. Tu me lances un petit des 6. Petit des 6 ? Ouais, comment je fais en fait pour lancer un des 6 ? 1, des 6. Ouais, d'accord. En exclamation, 1 des 6. 4. Ouais. Ok. Fais-moi un jet d'athlétisme réflexe. Ton fa vient de tomber au sol. Si tu veux le rattraper en plein vol, un jet d'athlétisme réflexe avec une difficulté de 2. Après, tu peux lui lancer le tonfa dans la gueule. Est-ce que ça vaut le coup de récupérer le tonfa ? Mais ouais, ça fait une arme gratuite pour quelqu'un qui passe, quoi. Surtout, il faudra la retrouver où t'es passé au milieu de la brume pour le retrouver. Ouais ! Oui. Ouais, bon, je l'ai paumé. Hein. Ouais. Ok. Ouais, tu peux t'arrêter et le récupérer, je pense. Ouais, tu peux t'arrêter et le récupérer, le laisser partir comme tu veux. Et non, je vais le choper. Vas-y, le. J'ai toujours mon dé noir, c'est ça. Il reste sur 1. Ah. Ok. Hop, dernier jet. Tu relances, tu lances toujours un dé noir là. Mais attends, le truc du dé noir, c'est quand c'est réussi ou c'est. Attends. Parmi les dés de poursuite, c'est des. Faut que ça... À chaque fois, je. Si le dé indique une réussite, hein. Si. Ok, tu me relances un dé 6, ouais, c'est ça. Tu trébuches sur avec cette brume, tu vois pas très bien où tu marches. Ouais. Tu trébuches sur le trottoir, sur la bordure du trottoir. Tu me fais un jet d'athlétisme coordination pour pas te péter la gueule. Tu rates, tu te retrouves avec un dé de poursuite en moins et tu peux pas le récupérer. Ouais. Ah mais j'ai récupéré des blancs en fait. Ah non,
ça reste tel quel. Hein. Ah, tu d'accord. Perds pas des dés blancs, tu peux que perdre des dés. D'accord, ok. Sinon, on n'a pas fini. Hein. Ah, allez, je fais une chute avant et puis je me relève et puis voilà. je continue. Ok, dernier, je pense que ça va être le dernier. Donc, tu restes toujours sur 2 réussites. Ok, lui, tu dis, bah, elle a pas vraiment le choix. Putain, j'en ai qu'une. Ok, bon, tu finis par le rattraper de toute façon, là. À ce niveau-là, tu peux l'attraper. Immobilisation. Ok, vas-y, fais-moi ton jet. Carrure et... Alors lui, il regardait pas, donc je pars du principe qu'il se défend pas, pour le coup. Il essaie de courir devant lui sans regarder où il allait. Tu l'attrapes. D'accord. Cops, vous êtes en matière d'arrestation. Tout ce que vous pouvez... Blablabla. Okay. D'ailleurs, tu l'as toujours pas filé, pas ça... Pardon, c'est important. Cib. Bah oui, bah moi je... Tu lui dis c'est droit. Je lui dis c'est droit et puis je le mets... Et là, il y a la voiture l'autre voiture qui arrive. Ok. On finit de lui dire c'est droit. Ok. Et je le fouille. Oui. C'est bien. Pendant ce temps... Pareil, les autres. Fouille. Non, les autres. On ouais, passe un peu aux autres quand même, Maya. Oui. Bon. Vous arrivez à l'hôpital. Avec un super dérapage semi-contrôlé. Ok. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Bah, je demande à Lynn de rester dans la voiture parce que je pense qu'elle va pas sortir. Puis moi, je vais aller prendre le petit gars qui crache ses poumons à l'arrière et je vais l'amener à l'entrée des urgences. Ok. À l'entrée des urgences, il y a un médecin qui est là, qui te regarde. Fait, vous allez où avec ça? Bah, je vous l'amène. On prend pas les mecs à ce stade-là, on n'y touche pas à ces gars-là, nous. Et qu'est-ce que j'en fais, moi? Je voulais l'amener à l'hôpital, après vous en faites ce que vous voulez, vous l'emmenez dans n'importe quel service. Non, faut que je retourne patrouiller. On n'a pas de service pour ça. Le seul hôpital qui prend les gars du GOB, c'est pas nous, hein. Eh ben, dans ce cas-là, vous avez appelé l'hôpital et qu'ils prennent des gars du GOB pour qu'ils viennent le chercher. Moi, j'ai plus le temps. Bah... En plein gobe, tout à fait, bah oui, forcément. Et bon. Vous croyez que je vais signer un papier comme quoi vous allez récupérer, vous démerdez avec? Ah, pas du tout, moi je vous le laisse ici. Hein. Attendez, il traîne sur l'autoroute, c'est un danger, il peut provoquer un accident, je vous l'amène ici parce qu'il est malade, après, vous en faites ce que vous voulez. Le mec en question, il te regarde. T'as du Mindy? T'as du Mindy? T'as du Mindy? What? Alors, juste à titre d'info, a priori, c'est des pilules placebo qui avaient été vendues dans les années 20, où en fait, c'était tellement placebo que les mecs avaient mis en fait des dérivés d'opiacés dedans et rendaient les mecs accros, en disant que ça soignait. Il y a eu tout un scandale. Okay. 2020. Hein. Donc, tu me demandes, à moi, un COPS, si j'ai des pilules de substances psychotropes. Il a l'air complètement à côté de ses pompes en même temps, le gars. Le médecin? Non, pas le médecin. Le gob. Le gob. Ouais, d'accord, ok, il est bien. Le gobeur. Bon. Écoutez, vous lui foutez, je sais pas, une dose de calmant, quand même. Vous l'envoyez à etc. Mais alors, moi, je vous le laisse. Attendez. Vous savez quoi? Attendez. Il est a priori à la phase 4. Bougez pas. Il revient. Il te donne une bouteille d'oxygène. Voilà. Vous lui mettez ça et puis il se démerde avec. Et je le laisse repartir. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? On n'a pas de quoi les traiter. On peut pas les traiter. Il n'y a qu'une seule clinique qui les traite. Appelez la clinique qui peut les traiter. Demandez à vos d'abord demandez à votre centrale si nous on récupère ou si vous devez l'amener là-bas. Ça m'étonnerait que votre centrale vous a dit d'emmener un mec du GOB chez nous. Hein. C'est mon centrale m'a pas dit d'amener un GOB chez nous. Mon centrale m'a dit d'emmener à quelqu'un qui est malade à un hôpital. Ce que je fais. Et bah, vous allez à la clinique check. Du docteur Moreau, vous êtes comme hôpital. Tout le monde à Bel Air, et check. Vous le déposez là-bas. Donc... Et bah dans ce cas-là, vous vous en occupez, vous allez le déposer vous avez bien encore des bagnoles qui circulent quelque part, non? Oui, elles sont toutes... Oui, c'est un petit peu l'effervescence en ce moment. Et d'ailleurs, et bah moi, justement, je suis appelé, donc je chez nous aussi, ça tombe bien, non? Il te laisse, là, c'était dehors, il fumait juste sa clope, il rentre, il te laisse dehors. Ok, donc il a sa bouteille d'oxygène. Alors, mon bonhomme, tu vas me suivre, on va rentrer, je le fais asseoir sur la... Voilà, c'est ça, oui.
tu vas t'asseoir là, je lui montre le... les chaises de la salle d'attente. En ligne, toi, tu les vois s'engueuler devant. Hein. Oui. Tu t'assieds là, sur la chaise de la salle d'attente. Les mecs vont arriver avec du Mighty dans pas longtemps. Hein. Donc voilà, tu t'assieds, tu respires, tu bouges pas. Hein. Et bonjour chez vous. Pff, putain. La question, c'est, on est, enfin là, ils sont devant l'hôpital. Alors le extérieur. Et c'était sorti fumer une clope au milieu du brouillard, et puis il est rentré. Mais y a pas un parking souterrain ou un truc comme ça? Il y a sûrement un parking souterrain. Du coup, le parking souterrain me semble un endroit un poil plus sûr pour y faire traîner un clochard. Mais. Et vous ne posez pas de flou. Enfin, je veux dire, il s'est retrouvé comment le gars là? En plein milieu de l'autoroute. Bah ouais. Donc non, on l'a arrêté. Oui. D'accord, je l'ai légèrement bousculé. D'ailleurs, faudra que tu penses à effacer les traces qu'il y a sur le pare-choc, hein, parce que. Ouais, en plus, il l'abandonne sur place, il est après l'avoir défoncé. Attends, je l'abandonne sur place dans un hôpital, bordel, c'est bon. Allez, par contre, toi, tu vas dans le parking souterrain, c'est cool. Si je te vois pas, après, je vais te chercher, forcément, je vais devoir t'appeler à la radio. Non, moi je proposais. Oui, d'accord. Moi, je proposais juste une chose comme ça, tu vois. Je me suis dit, bon, si les clochards et qu'il fait chier tout le monde, on le met dans une cage d'escalier du parking souterrain et puis on en parle plus, quoi. Non, mais voilà. C'est bon, là, il est dans la salle d'attente, il attend son Mighty, ça va arriver. Donc, comme ça, je retourne à la bagnole et j'appelle un central en disant, bon, le type est à l'hôpital, machin, hein. En temps normal, t'as un papier à signer hein, qui prouve tout ça. Hein. Mais en fait, il va bien. Et donc, du coup, il a préféré qu'on le laisse tranquille et voilà. Voilà. Il va faire les papiers tout seul à l'administration. Putain, les gros enfoirés. Oh la vache. Mais pas du tout. Non. On lui rend service à ce mec. Il est dans un hôpital. Qu'est-ce qui peut lui arriver de mieux? Ah bah, tu te rends compte que d'ici 20-30 minutes, il va se faire dégager dehors, genre, on veut pas de toi, hein. Attends, ça, c'est le superbe Obamacare qui prend la suite, hein. Il a jamais existé, Obama, hein. Donc... Alors, la question, c'est, est-ce que là, c'est toujours downtown? Oui, vous êtes un hôpital dans downtown. Oui, mais c'est plus l'autoroute. Non, c'est plus autour, il faut qu'on y retourne, nous, pas de De toute façon, rappelez-vous, hein, vous allez avoir un rapport à rédiger là-dessus. Hein. Putain. Oui. Oh, il allait bien. Sachant que vous avez même pas pris son identité au gars. Hein. Non, non. Bah, il en a pas, si. Très bien, on l'a laissé là-bas parce que. Tu es consterné par autant d'incompétence. C'est pareil. Bon. Dis les mecs qu'on fait partir 3 gars quoi. Hein qu'on laissait s'échapper 3 mecs. On en a on en a chopé 2. Bon, pendant ce temps-là. Donc d'abord si bon bah les flics qui sont arrivés là bah ils prennent en charge le gars, ils vont l'amener au poste. De toute façon voilà. J'ai dit qu'il y a des qui va arriver hein, parce qu'il m'a prévu par radio quand même au copain. Alors par contre ouais, bon, tu l'as menotté, tu as lissé droit, et tu sais pas où t'es. Non, pas toi. Non, c'est moi. Y a de la brume verte partout, t'es au milieu de la brume verte. Alors t'es sur la route, ça t'es sûr. La brume, elle est vachement épaisse. Donc tu sais pas dans quelle rue t'es. Ok, ici, détective Akilian. Vous pouvez allumer les gyrophares là, mon collègue et. T'as ceux de la voiture d'à côté qui sont allumés. Mais je vois rien. Bah oui. T'as pas ton GPS sur ton téléphone? Ouais, je regarde mon téléphone portable, je dois avoir un GPS. T'as pris un abonnement au réseau? Non, je dis ça. Hop. Merde. Alors. Assurance. Non, je crois pas. Non, donc, bah pour le coup, surtout t'as pas de portable, t'as juste un radio du COPS. T'as un radio caméra. Vraiment. Est-ce que les anges, vous pouvez m'aider avec la vidéo pour
On l'a rembobiné. Il voyait la même chose que toi. Non, mais parce que c'est enregistré. Oui, alors les gens, je te dis, ça. Bah, attendez, nous, on n'a pas accès aux bandes, on peut pas retourner en arrière. Faut contacter le SAD ou votre chef de service qui a accès aux bandes. Il va pas un nom de rue dans un croisement. Hein. Pour l'instant, il est juste au milieu de la brume. Bon. Donc, En attendant. Cherche une plaque de rue, un numéro et je te dirai où t'es. Hein. C'est ça, c'est je commence à chercher ça en tenant le mec fermement par le bras, quoi. C'est... Genre, allez, tu viens avec moi, on est. À moins que tu saches où on est, dis-le moi. Dis rien. C'est pas drôle. Parle espagnol, quoi. Parle. Non, bon, ça marche pas. Regardez, silence, tu sais, hein. C'est vrai. Bon. Là, c'est à droite. Ouais, on va éviter de t'écouter pour le coup, sinon tu vas me paumer. Ah bah tu voulais qu'il parle, hein, faut savoir. Tu trouves, t'arrives à un croisement et tu trouves donc l'intersection entre deux rues. Ouais, bah je suis à telle adresse, enfin telle rue. Ah moi je regarde sur la carte et puis... Il est rentré dans sa house centrale. Le truc c'est que faut qu'on explore un peu la scène de crime quand même, hein, parce qu'il y a un cadavre à l'intérieur. Ouais, je sais. J'arrive. Ouais. Bah moi je lui dis par où il doit passer pour revenir. Ok. Bon, au bout de 5 minutes, t'es de retour. Salut. En même il y a 3 autres voitures qui sont arrivées pour essayer d'attraper les mecs qui sont partis à pied. Ouais, on en a déjà 2, si ça pourra peut-être être utile, ça sera, c'est sûrement leurs potes et compagnie ou membres de famille, donc... Ouais, on les identifie, les deux gars. Je l'ai fouillé hein, aussi, le mec. Hein. Okay. J'ai trouvé ses papiers ou des trucs comme ça, quoi. Non, les deux n'ont pas d'armes. Pas d'armes à feu. Ok, dans la voiture, on retrouve une arme. Enfin, on retrouve la voiture. Oui. Ok, elle est mieux que la mienne. Ah non, c'est pas... Normalement, t'as pas le droit de poser cette question. Et c'est, ouais. C'est un Black Mamba que vous trouvez dans la voiture. C'est quoi, Black Mamba? C'est une arme de poing, je te dis, cette arme de poing de faible calibre est le plus petit pistolet mitrailleur en vente sur LA. Il est tellement bon marché que les gangs en font l'usage particulièrement intensif, imprécis au possible. Il permet surtout de faire peur aux ennemis et de tuer des innocents. Ok, on trouve des trucs qui sont bien la deuxième part. Sinon, non. Touche à rien et mets des gants. Ouais. Oui, bien sûr. Et je bon, sors ma de crime quand même. Je sors ma mallette et je vais au cadavre. Ouais. Okay. Pas encore. Je vérifie si il est mort. A priori, il respire et il y a du sang qui coule un peu partout. Ok. Je fais point de compression et tout. J'essaie de le sauver quoi en fait. J'essaie de premier soin. Ouais. C'est éducation premier soin. Ouais. Ça va pas être glorieux, hein. Non, là, ça va être réflexe premier soin parce que vous l'avez pas fait dès le début. Ah, t'as combien de premier soin, toi? J'ai 8. Mais t'as combien de réflexes? 3. Ouais, pareil. On est complémentaire. C'est ça, c'est... En même temps, vous pouvez vous y mettre à 2. Oh la difficulté, elle est de 3. Hein. Merde! Je vais essayer de m'y mettre aussi. Ah ouais, parce que ça me va, si vous vous mettez, je cumule les réussites. Hein. Alors je fais 3/6, soit c'est 7. Attends, j'ai combien moi? 10-52, urgent! Homme blessé par balle! Attends, j'ai combien? Ah, mais avec le gob, il est mort ton mec, hein. Mais Et non, je l'ai emmené à l'hôpital. Non, respirer du gob, ça te rend pas forcément malade, hein. T'as un pourcentage de choper le truc. C'est pas ça, c'est que l'ambulance elle viendra jamais, donc du coup on est dedans. Hein. C'est 8. Non, le mec il va claquer entre les doigts là, pour le coup. Quand l'ambulance arrive, le mec il bouge plus. Hein. Il essaie de le réanimer, de faire quelque chose, mais en effet. Ouais. Je demande au central, moi, qu'est-ce qu'on fait d'un mec à le gob? Qui est violent dans le gob. Normalement, on le dépose à Bel Air, à l'hôpital de Dr Marot, si c'est urgent. Sinon, il faut juste le ramener chez lui, c'est quelqu'un de tout à fait normal, c'est juste qu'il est infecté, quoi.
Bon, Guillermo, cherche ses papiers pour voir s'il a une adresse. Non, il y a une puce ID. Ah ouais, vous avez, il y a des puces ID normalement. Bon, bah on va essayer de trouver ça. Alors, pour le coup, il a une puce ID. Il habite dans South Central, à côté de. On va aller à Bel Air. On va aller à Bel Air. Pas mal. Bon, bah. on va aller à Bel Air. Vous expliquez au central ce que vous faites quand même. Oui. Bah oui, on va dire que le mec a le gob et que on l'emmène à Bel Air. Vous pouvez dire à peu près dans quelle phase il est pour savoir. Vous l'avez trouvé comment exactement? Parce que pour l'instant, vous... on l'a trouvé erré sur l'autoroute. Okay. Il doit être en phase 4 et apparemment, il est complètement stun. Okay. Bon bah, ok. Et au type, je vais lui dire qu'on l'emmène dans un endroit où il va avoir des... C'est un bâtard quand même de dire ça. C'est moche de mentir. Bon. Oui, mais c'est le meilleur moyen d'avoir la paix. Oui. Bon. Puis le vert, c'est la couleur de l'espoir. Allez, quelque part. Les autres, jette scène de crime. Éducation, scène de crime. Ça devrait être facile. Il s'est fait tirer dessus. Ouais. Oh putain. Wouhou. On est doué ce soir. Ah mais ça c'est un G pour moi ça, tu vois. Mais bon. Ah non, mais c'est... sachant que t'as un dé en plus hein, parce que t'as la sacoche. Hein. Ah oui, moi j'ai un dé en plus, c'est vrai, j'ai oublié. Tu retires un dé au moins. Ouais, je retire un dé. Ouais. C'est quoi si t'as une sacoche? Comme il a beaucoup en scène de... enfin, pas beaucoup en scène de crime, il a une sacoche de criminaliste, en fait, une mallette de criminaliste, ou qui lui rajoute un dé, en fait, à son jet. Donc ça fait deux, ouais. Donc je partais du principe qu'elle était à 1, de toute façon, la scène de crime, donc tous les deux, vous avez réussi avec un de marge. Alors, c'est simple. A priori, ce qui en ressort, c'est qu'a priori, ça va être le propriétaire des lieux. Il s'est fait tirer plusieurs balles, a priori ça doit être d'un petit calibre, quasiment à bout portant. C'est le même calibre. Et il a été traîné dans l'arrière boutique après ça. C'est le même calibre que l'arme trouvée dans la voiture. Ok. À ce moment-là, à la radio, on vous dit que ils en ont coincé deux, potentiellement, ouais. Dont un qui était armé, pareil, d'un autre. Donc les quatre se sont d'un fait autre choper, Black Mamba. Très bien, vérifiez s'il lui manque des munitions à ce Black Mamba et je vérifie celui de la voiture. Celui de la voiture, il a pas tiré. D'accord. Bon, au moins pas maintenant. Mais... Au moins, on a arrêté un meurtrier. Ils les ont trouvés donc. Ah oui, oui, oui. Pour l'instant, de l'autre côté. Bon, bah, on vous va. Arrivez à Bel Air, à la clinique, a priori avec le gob, il y a plein de voitures autour, c'est l'affluence. Oh, génial! Vous avez rien à foutre de la soirée! Ah bah, tu pars évidemment! Cops, c'est une urgence! Puis voilà. On va faire la queue, hein, forcément! Alors, la question c'est, on peut pas le laisser là et lui dire, ah, tiens, y a de la lumière là-bas, vas-y! Non? Ah non, il faut, bah non, il faut que tu remplisses, il faut que t'aies un papier comme quoi tu l'as déposé, quoi! Ah ouais? Aïe! Après, tu peux passer devant tout le monde, de toute façon, t'es flic, t'as une urgence sur les bras, voilà. Bah justement, ouais. Allez hop. On va faire ça, ouais. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Pardonnez, pardon. Vous voyez bien, mon enfant, regardez, il a le teint verdâtre, là, il a respiré. Non, ouais. Madame. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes devant la nana avec son enfant? Excusez-moi, une urgence, on a chopé ce monsieur en plein milieu de l'autoroute. Ah, il est. Oula, on parle de l'autoroute. Lui, il a la tête verdâtre, il nous faudrait juste un petit papier et on vous le laisse. Et regarde. il a un nom Il est pensionnaire. Ah oui, il a une puce. Enfin, non, il s'appelle pas Maurice, je vais prendre ses papiers, il s'appelle comment? Il a sa puce, mais. Oui, il a sa puce. Oui. Hop. Un petit coup de générateur, paf. Moi, Carl de Fontenay. David Hall. Non? Il s'appelle Carl de Fontenay. Et généralement, nous, on l'appelle Maurice. Et il habite où? Vous avez un maximum d'informations, là, tout de suite, avant que... Sinon, je canne sa puce, mais...
Bah, scanner la puce parce okay. que regarde, on l'a vraiment chopé en plein milieu de l'autoroute. Ah oui, mais regarde, mais il a pas de mutuelle. C'est un et le serment d'Hippocrate alors? On n'est pas là pour causer le serment, on est là pour avoir un papier. Oui, mais on peut pas le garder. Dire, d'accord, il est souffrant du gobe, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Alors, s'il veut pas payer les traitements. Ça, vous voyez directement avec lui. Nous, il nous faut le papier disant que on vous l'a laissé. Regarde. J'appelle un supérieur. Gracias. Je sens qu'on est là encore dans 3 quarts d'heure. Ah bah ouais. En même temps, c'est le problème de se trimballer, c'est un peu comme si tu te baladais avec un mec calcida, mais qui est pas en train de faire une crise quoi. C'est ouais d'accord, il est malade, ok, mais si Maurice, tu peux pas payer de Maurice, reste ici Maurice, on t'amène des pilules là, bouge pas. Tu veux pas te barrer là? Il y a des pilules Mighty ici, là il y a la secrétaire qui te regarde toi. Est-ce que tu lui as dit? Est-ce qu'il dit? Alors ça s'appelle de la psychologie policière. Laissez tomber. Ça s'appelle de l'inconscience, mais c'est pas grave. Vous auriez un distributeur de café, s'il vous plaît? Ah bah au bout. Merci. Tu le gardes, Lynn, et je t'en ramène un. Que ça marche. La nuit va être longue. Donc, à titre d'info, à chaque fois que vous êtes rentré dans un bâtiment, il y avait un pédiluve et des gens qui vérifiaient que vous prenez bien, vous êtes bien sur le pédiluve. Hein. Un quoi? Un pédiluve et un sas à chaque fois, sur chaque bâtiment. C'est le truc où tu mets tes pieds pour désinfecter. Voilà, c'est un petit truc, tu passes tes pieds dans un petit bain, et comme ça désinfecte le tout. D'accord. Ouf, comme ça je reviens avec deux cafés, serré. En ce temps-là, les deux autres. Donc, qu'est-ce que vous faites? Tout le monde a été embarqué au poste. Niveau scène de crime, il n'y a pas grand chose d'autre à faire à part prévenir le propriétaire. Quoi. J'appelle le coroner. Bon, il doit déjà être en route, de toute façon. Déjà là, même. De toute façon, les coupables ont déjà été arrêtés. Hein, donc, ouais. On fait quoi de tirer des conclusions facilement? Pour vous, à part faire votre rapport, ce qui reste à faire, c'est interroger les trois qui ont été arrêtés pour obtenir le nom du quatrième. Quoi, il en manquait encore? Oui, je te dis, il y en a deux d'arrêtés sur... Ah oui, non, ça fait deux, ouais. Ça fait... Oui, donc ouais, non, tout le monde a été arrêté. Tout le monde a été arrêté, merci. Ouais, tout le monde a été arrêté, donc ouais. Mais il y en a un qui n'a pas donné son rapport. Nom. Rapport, limite interrogatoire, pour être sûr du truc, mais motifs, rapport, ouais. Normalement, vous avez appris sur le fait, ça devrait se couler tout seul, mais vous devez aller faire votre rapport. Bon, bah, on rentre au COPS, hein. Ok. Bon, COPS, non, non. Non, non, vous rentrez. On appelle les propriétaires. Bah, est-ce que le propriétaire était marié ou quelque chose comme ça? Alors, la personne qui est dedans, qui n'est pas le propriétaire, hein. C'est quelqu'un, c'est juste le gars qui l'utilise. Qui bossait là, d'accord. Là. Bon. c'est pas... non. Bon. Je suis doué pour les mauvaises nouvelles, donc tu me laisses faire, Rick. Je suis bon aussi, normalement, hein. D'accord. Je demande pour appeler le propriétaire. Bah, remarque... Non, attends, j'ai mon téléphone, remarque. Ouais. Adagio pour corde. Du matin. C'est parti. Ouais, mais il faut qu'il ferme son. Enfin, faut qu'il. Pourtant, il y a des flics, des bleus qui sont là-bas, hein. des flics qui restent en faction. Moi, je suis bon en rapport, donc je fais le rapport hein, pour ce temps-là. Ok. Tu me fais un jet de bureaucratie et d'éducation. Éducation, okay. Bureaucratie. 4, 6, et j'ai plus... attends, j'ai un truc... Difficulté à 1. Thèse de bureaucratie, charme... Ah ouais, mais c'est pour les procédures internes. Alors, donc, difficulté 1, ouais, bon, 4, 6. Allez. Voilà, j'en ai 2. Tu fais ton rapport, il est plutôt correct, ça devrait suffire pour les foutre tous en tôle, ou du moins, au moins le tueur. Tous. Ils étaient complices du tueur, donc... Non, mais... De toute façon, on vous appellera sûrement pour le... Ouais. Le substitut vous appellera sûrement pour avoir des détails. Et peut-être pour témoigner. Bon, pendant ce temps-là, dans la clinique...
Il y a un médecin qui arrive. Bon, alors c'est qu'est-ce qui se passe? T'as ton café à la main. Oh, génial. Alors, on a interpellé cette personne qui déambulait en plein milieu de l'autoroute, risquant de provoquer des accidents et qui atteint de gob. Ouais, je vois ça. Juste... Il regarde la on personne. On aurait juste besoin que vous, alors... vous le preniez en charge. Mm-hmm. Ouais, la cage thoracique a besoin de doubler de volume. Il est bien bossu. A priori, ouais, il y a bien les excroissances frontales et nasales, ainsi que les ongles longs. J'ai acheté mon café, je suis dégoûté. Pose sur les os. Là, il prend une petite lampe, mec qui se cache de la lumière, ouais, photosensibilité. Ouais, il est bien en phase 4. Hein. Il faudrait le voir en détail, mais ouais, il faudrait lui faire une nouvelle greffe, une greffe de poumon et peut-être même cardiaque pour qu'il s'en sorte. Vous disiez ? Je disais que on l'a intercepté alors qu'il déambulait sur autoroute, donc danger public, et surtout comme il a atteint du gob, on vous l'amène à vous et on voudrait juste le papier disant que vous le prenez en charge. Alors attendez, je vais vérifier son nom. Hein. Ah mais il peut pas se payer l'intervention, on va pas le prendre en charge. Ouais, mais on va pas le payer pour lui non plus et on a besoin du papier. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de ce gars-là, moi Bah écoutez, vous lui offrez un café, vous lui donnez une pilule de je sais pas quoi, enfin bref, ça c'est vous qui voyez. À partir de là, j'avoue, je peux pas vous dire comment faire votre métier, mon petit gars. Oui, mais ce que je vais vous dire, c'est que juste, on prend les malades qu'on peut traiter, on est une clinique, on fait pas dans la charité, quoi. Eh bah dans ce cas-là, vous me mettez un papier disant que vous avez pas pu le traiter, que vous le relâchez. Le problème, c'est qu'il va retourner sur autoroute. Ah, ça c'est pas votre problème, hein, pas le mien. Oh, il est loin, le. Eh ben voilà, quoi. C'est bien ce que je disais, c'est bien non plus. Merci pour le papier. Il a pas fait de papier pour l'instant. Non, mais je lui dis merci de me donner le papier. On va s'en tenir à la stricte procédure. Je prendrai pas la responsabilité que vous le relâchez dans la nature. Vous démerdez. Chez lui. Notre job, c'est de vous l'amener par rapport à ça. On vous l'a amené. Après, et vous lui donnez le papier disant que vous l'amenez, et après vous lui dites de le rendre. Ah non, moi je vous dis, je peux pas le prendre en charge, donc je vous le laisse, je le prends pas. Ah non, mais ça c'est entre vous, oui, après, je m'en fiche. Moi, on vous a demandé de l'amener, je vous l'amène. Vous me donnez juste le papier disant qu'on vous l'a amené, punto final. Mais docteur, si vous pouvez faire ça pour nous, on vous savez qu'on a un travail urgent avec cette brume. Justement, je vais pas me farcir un gars qui sert à rien dans mon hôpital, quoi. Mais il vous engombrera pas trop. Je fais les yeux, hein, je fais les yeux du genre... Accepte-le. Allez, c'est sympa. Bon, il regarde, mais vous pouvez pas le ramener chez lui à South Central. Bah, c'est un peu loin, c'est pas dans notre juridiction pour alors, ce soir. Déjà, oui, c'est loin de notre secteur. Deux, on est vraiment aussi débordé. Vous pouvez pas juste le conserver cette nuit pour le relâcher de ce matin ? Pas demain matin, plutôt. Alors, s'il pouvait payer, pas. Oui, mais s'il peut pas payer, vous prenez en charge. Oh putain, il faut combien pour garder juste une nuit ? Je vais le ramener chez lui. Alors, 100... Je demanderais au moins 40$. Hein. Si on le met juste dans un lit et qu'il passe la nuit et qu'il s'en va, demain. Putain, 40$ ! 40$ ! Juste pour une nuit ! Mais avec ça, je me paye une semaine d'un hôtel ! On est une clinique spécialisée et okay. Tous les lits sont pleins. Putain, 40$ la nuit d'hôtel, ouais, c'est miteux quand même. Bon, ça va, merci, hein. Non mais, moi je voulais essayer de le charmer, mais bon, il veut pas, hein. Non mais j'avais pas compris que t'essayais de le charmer, hein, mais... Ah oui, non, je le fais... Je vais parler avec ma partenaire 30 secondes, hein. Lynn, en fouillant bien, je dois avoir 5,95$, t'aurais pas le complément par hasard. Hors de question pour que je paye pour un mec comme ça, hein. Mais tac tac tac. Alors c'est quoi après c'est quoi la compétence du coup? La confirmation de...
Bah, là, pour le coup, ça dépend ce que tu veux faire en fait. Bah, l'idée c'est que je lui fais les yeux doux pour qu'il prenne le mec pendant une nuit, et puis voilà. Plaisir, s'il te plaît. Voilà. Bah, ça va être charme et pour le coup, éloquence hein, ou rhétorique, comme tu veux, mais l'un ou l'autre quoi. Éloquence, je suppose. Ah, mais j'ai que dalle, j'ai 10 plus quoi. Bah, c'est les yeux doux. Si tu veux le faire, lui expliquer qu'il faut qu'il le prenne, etc., c'est rhétorique. Pardon, en attendant, je vais me chercher de l'eau. Vas-y. Je vais pas lui faire l'intimidation, quoi. Tu vas le prendre, sinon, tu vas. Ah. J'ai le droit de faire un jet à 10+, de dépenser un point de d'ancienneté. C'est un jet à 9, et oui, tu peux dépenser un point d'ancienneté derrière. Bon, bah j'en dépense un. Pour le jet, tu veux pas d'abord faire le jet et voir si ça passe? Non, mais je l'ai fait le jet, je l'ai fait le jet, ah, j'ai fait gros succès. Bon, bah ok. Ah, ça va, hein. Bon, allez, barrez-vous, tenez, voilà votre papier, hein. Allez, hop. Merci bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Puis-je avoir votre nom, au moins? Il est marqué, hein, c'est lui qui a signé sur le papier. Oui, bah d'accord, mais bon, tant pis, si vous voulez pas vous me donner votre carte de visite avec votre numéro de téléphone, tant pis. Voilà. Bah, Denise Vargas. Quel prénom de merde. Sans merde, bon, allez, on file. Prénom de merde. Yarmo, on y va. Ouh, ouh, j'ai économisé 34 dollars. Ouh. Pendant ce temps, Ops, vous arrivez en fin de matinée, donc pour tout le monde, qu'est-ce que vous allez faire? Fin de matinée. Ah, ça, bah vous finissez à 8h, il est 6h. Ah oui, on est pas en fin de matinée, on est début de matinée. Oui, excuse-moi. Bah, de toute façon, il y a des bleus qui gardent, il y a toujours des bleus qui gardent jusqu'à l'arrivée de quelqu'un le magasin en fait. Bah, jusqu'à que l'un de vous deux décide à dire qu'ils peuvent le lâcher le magasin. On a tout fait là-bas, non? Ouais, on a tout fait là-bas, mais le truc. Proprio. Oui, c'est prévenir le proprio, mais prévenir le proprio, c'est, ça veut dire qu'on là, il est 1h du matin, je le réveille, quoi. Il y a eu un mort dans son magasin, hein. Je pense et que c'est sûrement son employé. Hein. Ouais, justifié pour le réveiller. Ah oui, on est obligé, bon, je m'en charge. Allô? Oui, bonjour, détective Kylian du COPS, je me permets de vous appeler car il y a eu une effraction dans votre boutique cette nuit, une voiture bélier. Oh merde. Et malheureusement, votre employé est décédé sur les lieux. Oh merde. Quoi? Toutes mes condoléances pour votre employé. Les policiers sur le lieu. Il faut que je fasse quoi maintenant là? Comment prévenir votre assurance déjà? Et la femme de l'employé, non? T'es vraiment un capitaliste. Non, c'est pas ça. C'est... Non, si, t'es un capitaliste. Non, mais c'est venir constater, sûrement venir constater des dégâts. Ok, bon. Et prévenir, bien sûr, à moins que vous souhaitez que je m'en charge, prévenir ouais. La femme de votre employé. Oui, si tu peux t'en charger, oui, ça l'arrange. Voilà, bon. Par contre, elle, je l'appellerai pas à 1h du matin. Hein. Si, quand même. Alors, normalement, t'évites de l'annoncer au téléphone, ce genre de truc. Hein. Ah ouais, oui, ouais. Voilà, c'est ça, c'est tu y vas. et tu y vas pas à 1h du matin. Mais il est pas 1h, si. Il est 6h. Bon, ils habitent où? Est-ce que vous habitez loin de votre magasin? Non, mais non. On parle de la femme, là. Non, mais attends, après. Non, mais je m'y rends, là. D'accord. Et est-ce que vous avez l'adresse de votre employé, s'il vous plaît? Je te la donne. Je vous remercie grandement. Ils habitent où, ce connard? C'est en centrale. Et je vous souhaite... Dans la partie haut de South Central, qui est pas trop, où il n'y a pas trop de gangs. Et je vous souhaite une agréable journée quand même. Merci, bon courage. Normalement, on dit condoléances, pas agréable journée dans ce genre de cas. J'ai déjà dit toutes mes condoléances pour votre employé. Oui, mais tu souhaites pas une bonne journée. C'est sûr. Mais
Ouais, tant pis. On va peut-être aller prévenir la famille, quoi, merde. C'est pas loin de d'ici, du coup. C'est pas loin de là où on est actuellement. Ah, sinon, on se prend des cafés, un donut, on attend qu'il soit à une heure un peu plus décente. On attend 7 heures. En même temps, je sais pas, t'as la famille qui est morte, tu serais quand même sur. Enfin, tu peux prévenir le plus vite possible, non? Quoique, ça ne fera pas revenir. Bon, moi, je. On prend de quoi grignoter pour. Non, faut oui, qu'on bon, dise. On va prévenir la famille. Oui, on va prévenir ouais. La famille. Ici, voiture 5. 5. 6, c'est ça? Ouais. Voiture 5-6. Nous allons prévenir la famille de la victime. Ah oui, non, mais t'inquiète pas. Hein, t'as pas... Tu t'es revenu au COPS sans faire ton rapport. Donc tu repars et tu dis en partant, quoi, c'est bon. Ouais, ok. Pendant ce temps, je vous le fais pas le jouer vu qu'on avait déjà joué une scène identique la dernière fois. Mais bon, elle est effondrée, c'est triste, machin. En plus, elle vit dans un taudis et c'est tout pourri, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que de toute façon, toc toc toc, est-ce que je peux rentrer? Oui, voilà, veuillez vous asseoir, blabla. La routine, attends, quoi. Si tu veux, je peux te faire un charme éloquence. Ou un éducation éloquence. Vas-y, plutôt éducation éloquence, hein, parce que bon, je suis pas sûr que tu veuilles coucher avec la veuve, hein. Alors, 4 et j'ai 6. Bon, pourquoi pas? Ouais. Ok. Bon, je considère que la difficulté était de 2, donc bon bah tu arrives à la calmer et à parler avec elle. Bon, elle a pas grand chose à t'apprendre, sauf qu'elle a des enfants, que c'était le seul revenu de la famille et que bah maintenant c'est la merde. Il va falloir travailler, ma bonne dame, maintenant. c'est l'équipe des capitalistes, putain. Pendant ce temps, parce que vous, ça vous prend quasiment toute la nuit à faire ça, entre les rapports. Je considère que vous avez fait un interrogatoire pas forcément musclé parce que je vous fais pas les jets pour le coup parce que vous savez déjà ce que vous n'avez pas besoin d'obtenir d'informations supplémentaires. Ah bah oui, c'est pas faux. Mais voilà. Si je peux faire mon interrogatoire, je suis. Non, on le garde pour un truc plus important, les jets d'interrogatoire. Ok, on repasse à l'autre voiture. Donc vous êtes débarrassé du gars maintenant. Repatrouille. Ouais. Il est 6h du mat. Ouais. Allez, on va repatrouiller sur l'autoroute. Il reste 2h de patrouille. Ouais, bah. Il reste 2h de patrouille. Ça tombe bien, ouais, on a les gens pris vont café. Commencer à. La brise s'est levée ou pas? Non. Non, mais par contre, il commence à avoir des voitures. Cool! Par contre, vous avez remarqué que en étant sur l'autoroute qui est un peu surélevée par rapport au reste, que les comment s'appelle les éoliennes se sont remis à marcher, donc normalement vers midi, elles auront dissipé la brume, en tout cas de New Downtown, vers un quartier plus pourri. Recoule. Bon bah, ouais. On va patrouiller tranquillement, hein, les excès de vitesse, les dépassements sans clignotant, les franchissements de ligne continue, la totale. Ouais. Pour le coup, dans une heure, de toute façon, tout sera embouteillé. Hein. Alors, on va se positionner près d'une sortie. Mmh. Hein, pour pouvoir ne pas se manger trop de bouchons. Est-ce que pour nous, notre zone de patrouille est loin du COPS? Bah, vous êtes toujours dans New Downtown, donc ça reste le quartier où il y a le COPS. Mais vous êtes, vous, comme j'ai dit, vous êtes le truc du COP, c'est au milieu de New Downtown, ouais. Au milieu même un petit peu au nord, vous êtes complètement au sud de New Downtown. Ouais, donc on en aurait quand même pour bien 20 minutes quand ça sera embouteillé, quoi. Bah New Downtown, quand c'est embouteillé, ouais, c'est ça, ouais. Même plus, peut-être, ça dépend. Mmh. Vous finissez les 2 heures de patrouille tranquille? Bah, on va essayer, hein. On va essayer, sauf s'il se passe quelque chose, hein, évidemment. Ah, ok. Bon, bah, il est 8h. Ah, merde! Non, non, non. À 7h, on va non, voir... Non, 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 je dis il est 8h. On va et voir... quand t'arrives, tu fais... Merde! Merde! Bon, je vais prendre une heure sur ma journée qui vient ah, avec moi. Ah, tu te démerdes avec tes deux coéquipiers, hein, qui sont là. Qu'est-ce qui se passe à 8h? On a oublié d'aller voir Élise machin.
Bah, on peut y aller. Hein. Oui, mais logiquement, on a fini notre service. De toute façon, on n'est pas allé à 7h, c'est trop tôt pour aller chez les gens pour les interroger. Vous prévenez le central quand même que vous faire des heures sup, parce que bon, normalement, la voiture, elle est attribuée à quelqu'un d'autre. Hein. Non, le... on peut prendre ma voiture perso, au pire. Ouais, bon, on va faire ça. T'inquiète pas, c'est un tas de boue. Moi, j'ai la mienne aussi, voiture perso, hein, qui ne fera pas avoir un tas de boue. Hein. Lynn, Guillermo, vous en êtes où? Bah, on se rentre. Ouais. Enfin, du moins, on tente dans les bouchons. On va aller interroger Héloïse Machin, Waters. Héloïse Waters. Ouais. Il déborde. Non, je suis là, je suis là. Non, je suis là. Bah après, où j'en suis, je sais pas, moi. Là, vous êtes en train de rentrer, ils viennent de vous dire qu'ils vont aller faire l'interrogatoire, parce qu'ils n'ont pas encore fait. Est-ce qu'on vous attend? Non, pas la peine. Pas la peine. Oui, tu vas la bouger, ta caisse. Ça fait ça. Bon, alors les deux autres, je vais faire rapidement. Vous arrivez là-bas, vous sonnez. Bonjour, c'est qui? Bonjour, Cops. Bonjour, détective. Rick, comment je l'appelle déjà moi? Rick Darcy. Rick Darcy, détective Darcy, nous vous interroger par rapport aux événements qui sont passés dans le White Power 88. Alors normalement, tu dis pouvons-nous entrer avant? Oui. Parce que comme ça, s'il dit oui, tu peux entrer oui, avant de lui annoncer que c'est un interrogatoire. Non, mais c'est pas, nous vont poser quelques questions. Ok, oui. Parce que là maintenant, oui. Bon bah, vous pouvez entrer. D'accord, vous pouvez merci. Entrer. Donc, elle habite dans un immeuble d'habitation. Du 5e étage, 3e porte à droite. Ok, là on arrive, on monte. Plop, plop, plop. Comment ça plop, plop, tu as tué avec un silencieux? Alors vous arrivez, elle vous ouvre la porte, c'est un loft. Trentaine de mètres carrés à downtown, bien équipé. Asseyez-vous, qu'est-ce que je peux pour vous exactement? Bonjour madame, merci de nous recevoir déjà. De rien. Vous avez entendu sans doute parler des événements qui sont passés dans l'immeuble. Vite fait, oui, à la télé. Oui, j'ai pas pu aller bosser. Attends, juste une question en aparté, le Cuckoo's Clan, c'est un truc officiel ou pas? Oui. Oui, donc il n'y a pas de problème, si on sait, tout le monde sait qu'elle est cadre du Cuckoo's Clan, c'est pas un truc caché. Elle, oui, mais la plupart des gens, tu sais pas qui fait partie du Cuckoo's Clan. Les gens ne l'affichent pas spécialement sur leur page Facebook. Je veux dire, c'est... Surtout à Los Angeles, à majorité hispanique. Ça. Elle, oui, parce qu'elle fait partie des cadres, et parce qu'elle l'a annoncé, elle l'a dit publiquement, oui. Mais la plupart des gens qui sont cadres au Ku Klux Klan ou qui appartiennent au mouvement, bah... Tu le sais pas quoi. Ouais, d'accord. Et il y a une culture du secret normalement. Ouais, et l'autre question, c'est que c'est nous, c'est pas une information hyper secrète le fait que le White Power 88 sert pour faire les tournages de vidéos pour le machin. Absolument pas. C'est absolument pas du tout secret. C'est... Le Ku Klux Klan a deux chaînes de télé et c'est une des deux chaînes. Ok. Alors comment on va tourner ça? Parce qu'en fait le but c'est de savoir ce qu'elle foutait là-bas et si elle savait... Bah, elle y travaille apparemment, ouais. On vous l'a dit, elle va plus aller travailler. Ah, vous y travaillez, très bien. Donc c'est normal que nous ayons trouvé des empreintes à vous dans certains bureaux. Oui. Ouais. Donc, jusque-là, oui. Donc, et le bureau de la porte... C'était une porte blindée, hein? Oui, c'était une porte blindée. Vous y allez souvent? Je comprends pas, en fait. Quelle porte blindée? Il y avait... Attends, Sherpé, c'était bien une porte blindée, hein, qu'ils ont ouvert. Oui. Ah. Oui. Bah, dans votre bâtiment... De mentir. Dans votre bâtiment, il y a une porte blindée. Ah, peut-être, hein. J'avoue que je fais pas la différence entre les portes normales et les portes blindées, verso. Nous avons trouvé... Alors, celle où il y a le bureau en bois, de très belle manufacture, c'est ça, hein, il était de très belle manufacture. Mais regarde, je comprends pas de quoi tu parles.
Attends, je peux pas faire un test d'éloquence parce que je crois que je parlerai mieux que mon perso. Parce que moi, le truc, c'est que je connais pas le bureau et les détails. Oui. Attends, le but, c'est de savoir. Attends, l'autre but, de toute façon, c'est quoi? C'est de savoir si jamais il soupçonnait une menace, déjà. Mais ça, je pense Ben, pas. l'idéal, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans l'ordinateur qui a été Ouais. volé, dans lequel C'est ça. on a trouvé dans le bureau dans lequel on a trouvé les empreintes de la meuf avec qui vous Alors, parlez. sachant que comme t'es pas dans les conditions d'un interrogatoire, à savoir t'es pas au bureau et qu'elle est chez elle, tu pourras pas te permettre de faire des jets d'interrogatoire. Il faut vraiment qu'elle soit dans les conditions d'interrogatoire. Donc pour le coup, c'est du roleplay et majoritairement que ça, quoi. Alors, vous lui dites, voilà, il y avait un bureau de belle manufacture, etc., avec un ordinateur. Ah. Et Ah, nous. la porte fermée là! Oui. Ah oui, non, mais j'ai jamais été dedans, moi. J'ai jamais été dedans, hein. Vous mentez, madame. Bon. Oui, parce que nous avons retrouvé vos empreintes sur le bureau Ah, mais j'ai dû aider de les cette salle. déménageurs quand ils l'ont transporté là, le bureau. Oui, bien sûr. Il y a longtemps, Une moi femme aussi, de il y a 57 ans qui a des longtemps. déménageurs. Ouais, t'y crois, toi aussi? C'est pour ça que j'ai fait oui, bien sûr. Je vais vous faire plaisir, je vais vous croire sur ce coup-là, madame. Oui, si vous voulez. Et j'imagine que si jamais il y avait ce bureau, vous y allez jamais, c'est parce qu'il n'y avait que des éléments sensibles qui étaient gardés, hein? Ou c'est parce que... À quoi il servait déjà ce bureau? Ah oui, c'est ça, c'est on s'en c'était on avait fait une pièce fermée pour stocker les vidéos en fait. C'est ça, voilà, je m'en rappelle. Bullshit. Oui, je le sais. Merci, je suis au courant. Attends, non, mais n'empêche que ça pourrait vouloir dire, c'est en fait ce qu'il voulait, c'était une vidéo qui aurait pu être compromettante. Oh ben je pense. Oui. Pense que Y a oui. son téléphone qui sonne. Allô? Oui, ils sont là. D'accord. Elle raccroche. Elle vous fait un grand sourire. Vous n'allez plus rien dire et vous allez appeler votre avocat, sauf si... Pourquoi Je pense parler à que... mon avocat? Bon, posez Vous juste des m'arrêtez? questions. Hein. Non. Donc Bah non, j'ai pas vous besoin maintenez d'appeler le mon fait avocat. de ne jamais être rentré dans ce bureau, c'est ça? Ah, je vous dis, je l'ai peut-être été une fois ou deux, mais pas plus. Bien. Et que vous voyez absolument pas l'intérêt qu'on pourrait avoir à récupérer des informations qui étaient stockées en gros. Bah, je sais qu'on voulait stocker tout ce qui était double de vidéo parce que c'était blindé, si j'ai bien compris. Et voilà quoi. D'accord. Vous y êtes rendu. Je sais pas. Vous y étiez hier la journée précédente. Non. C'est pas le travail habituel en fait. Non, moi j'aide en fait. Qui Je y passe en travaille? fait souvent sur les différents comment s'appelle médias du clan pour vérifier ce qu'ils font. Je supervise quoi. D'accord. Mais vous les avez. De toute façon, ils sont morts les gens qui étaient dans les bureaux, non? Nous continuons à enquêter parce que il y a toujours des éléments à éclaircir. Non, c'est que j'attends une réponse de Hobby. De quoi? De quoi? Regarde, Rollisteam! Ah! Je suis pas devant mon ordi. Oui. Hop. Carl, je crois, de mémoire. Ouais. Bah messieurs, si vous avez pas d'autres questions. Le truc c'est que j'ai pas quoi Non, 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 poser. c'est tu peux me redonner le nom du chef du caca? Ah, c'est Karl de Fontanet. Carl de Fontanet, voilà. Mais je t'avais répondu. Voilà. Ah bah oui, merci. Donc Ah je oui. pense je pense que le excusez-moi, puis-je me permettre une chose, madame? Bah ça va dépendre quoi? Ça va dépendre que je pense savoir qui vient de vous appeler à l'instant. N'était-ce Attends, pas attends. Monsieur Fontanet? Et même si c'était le cas, que ça peut... C'est d'un bon ami à moi, vous savez. Non, par contre, vous allez dans ce bâtiment, quand vous allez voir les trucs, vous y avez déjà croisé Monsieur de Fontanet ou Monsieur Singleton, par exemple? Ah, c'est bien ça. Bah...
C'est... Comment dire, je le vois à plein d'endroits, monsieur Fontanet ou monsieur Singleton, on se voit assez souvent, même. Oui. On va dire, on travaille ensemble. Oui, c'est un peu con ce que j'ai demandé. Mais je sais pas, par poser comme question, mais en fait, je sais pas ce qu'on cherche. Ce qu'il y avait dans l'ordinateur, en fait. Ordinateur qui disent tous qui n'existe pas. Donc, c'est compliqué. Bien. Bizarrement. Je vous remercie, madame. Je ne vais pas. Rien, c'est toujours un plaisir de servir le COPS. Oui, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Et je vous souhaite une agréable journée. Vous de même. Viens, Rick, on y va. Ok. Bon, sortez, prend son téléphone. Ouais. Par radio. Denis Saline. Oui. Est-ce que tu peux. Est-ce que tu. Et, ou Guillermo, ou, est-ce que tu peux lancer une convocation pour le COPS à Karl Fontanet, s'il te plaît. Pourquoi? Ah ouais! Carrément? Mais carrément oui. Quoi! Mais pour quel motif? Je ma claque, on saute de ma gueule! Alors, je ne trouve pas le code de genre des maclas qu'on se fout de ma gueule pour un motif, pour une convocation. Tu pourrais me donner le code exact, s'il te plaît. C'est le 10 dans ton cul. Qu'est-ce que je voulais dire? Bien sûr, tout ce qu'on a appris. Désolé. Au départ, elle a nié déjà rentrée dans ce bureau. Menteuse. Ouais. Ouais. Bah, elle a dit tout et son contraire en même temps. C'est ça. Les coups de fil le coup de fil qu'elle vient de passer quand on est parti et le coup de fil qu'elle a reçu pendant qu'on était là, c'était Monsieur Karl Fontanet sûrement. Donc ça veut dire qu'il y a des topos au LAPD. Ouais. Tu veux dire qu'il y a des racistes au LAPD? Oh non! Oh mince! Voilà. En gros, vu qu'on a quitté le LAPD et qu'on a dit qu'on y allait, ça veut dire que c'est dans le COPS lui-même. En fait, ma... Ah. T'as quoi? Non, rien, je pense... Bah, les gens qui étaient au courant que vous aviez à y aller, c'était... C'était nous quatre, hein. Oui, plus les gens à qui on a dit qu'on... Bon, non, on prend un peu d'heure sup... Coupable est parmi nous? Non, pas de coupable, punaise. Et Guillermo non, ou... Oui, c'est Guillermo qui balance toutes les infos qu'on à Karl Fontanet. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il veut se racheter sa couleur. C'est ça. Alors, ah bah oui. Au lieu de psychoter sur une tour, je veux dire, il y a un moment où t'as dit dans l'interphone que t'étais du COPS et que tu venais pour telle enquête et qu'elle a très bien pu passer un coup de fil. Hein, aussi, oui, hein. Aussi, ouais. Vous prenez pas le trop temps de coup commande. Tête, hein. Le temps commande. Qu'est-ce que je voulais dire, on n'est plus de service, nous. Bah, non. Enfin, je pense que la top dans le COPS, c'est le même qui a dit que à la société de protection que son vigile était mort. Je fais poète. Il y a peut-être des chances. Bon, bah, dites-moi, vous passez votre journée à quoi? Ou vous voulez arrêter là pour ce soir? Ou dites-moi. Je vais arrêter là, moi, je vais me coucher tôt. Vite fait, moi j'ai quand même. Ma copine, elle était de service ou pas? Elle prend ton service après toi. Toi tu fais de 20h à 8h et elle fait bah 8 à 16, je crois, attends. Ou non, c'est un truc comme ça, ouais. C'est les 3-8, je crois que je recalque. Bon, je suis passé lui dire bonjour avant de partir faire l'interrogatoire quand même, par principe. Ouais. Non, alors. Très contente de te voir. Et que tu sois en un seul morceau et que t'as l'air pas tout vert. Ah d'ailleurs ouais, il y a un dépistage ou quelque chose à passer là à ce sujet là. Ah là il faut aller dans les hôpitaux et cliniques si tu veux vérifier que tu sois pas atteint. Sinon tu as des symptômes extérieurs qui vont se manifester. Ah ben ça, ouais, alors je peux te les décrire hein, je les connais de cœur maintenant. Alors ça c'est les symptômes de niveau ouais. 4 hein. Si t'en arrives à là t'es déjà dans la merde. C'est ça. Non, bah non, une grève de poumon et c'est bon. Ça va, ça va, ouais. Faut la payer, hein, sa grève. Hein. Bah, on a l'assurance du COPS, c'est bon. Ouais, je suis pas certain que ça couvre une grève de poumon, en fait.
Ouais, c'est ça. Bref, non, mais moi je vais quand même aller voir un hôpital vite fait. C'est assez souvent hein, qu'il y a des trucs au gob, hein, donc tant que t'as pas de signe extérieur, c'est pas la peine d'aller te faire dépister. Hein. D'accord, oui, ok. Bon, bah sinon, je vais faire mes 2 heures de sport et ensuite je vais me reposer. Ok. Salle de muscu une fois dans mon quartier. Ah, donc toi tu te reposes. Guillermo et bah. Lynn. Moi, si Lynn n'a plus besoin de moi, quand le service est fini, je range l'uniforme et puis je vais faire un tour dans un hôpital, mais pas ceux que j'ai visités. Et je vais quand même demander à la nana à l'accueil de l'hosto où je me rends, dites, les mecs atteints du gob, on les emmène à Sainte-Anne directos? À Sainte-Anne? Je sais pas, je connais pas. Enfin, je me renseigne, quoi. Sur le gob, bah en fait, elle te dit que la seule clinique qui traite les gens du gob, c'est la clinique du docteur Moreau, et du nom de la personne qui a découvert le gob, et que majoritairement, quand t'es en phase 1, 2 ou 3, ils te fournissent des médicaments qui permettent de ralentir la progression. Par contre, à partir de la phase 4 ou 5, c'est chirurgie cardiaque et pulmonaire, voire totale. Enfin bon, c'est la loose. Par contre, si tu veux, elle peut te dire les syndromes. Ouais, par exemple. Alors, la phase 1, le sujet se sent faible, ressent une gêne à respirer due à une oppression de ses poumons par la création d'une fine couche de tissu supplémentaire sur toute la surface de la plèvre. Son teint devient cireux, ce qui peut ressembler à un symptôme d'anémie. Et le nombre de ses globules blancs est en chute. En phase 2, et le sujet est atteint de difficultés respiratoires semblables à celles d'un asthme. L'appareil cardiaque est en sous-pression, ce qui cause de problèmes en cas d'effort. Le teint devient blafard, il perd du poids. L'apparition de petites verrues, les jointures de ses articulations se couvrent de petites plaques semblables à de l'eczéma et de couleur blanche. Phase 3. Le sujet est atteint de fortes difficultés respiratoires, une toux chronique apparaît, la couche de tissu fait désormais pression sur les os de son thorax et la colonne vertébrale. Le sujet se voûte légèrement, sa capacité pulmonaire est réduite de 50%, le teint du sujet est blanc et devient hémophile. Les verrues et les plaques blanchâtres gagnent la tête et le torse, et on observe légèrement une photosensibilité. En phase 4, je ne le repasse pas. Phase 5, la capacité du sujet est de plus de 15 à 20%. Le sujet perd ses cheveux, ses dents, ses sens sont extrêmement réduits, sa mobilité est minimale, son teint devient verdâtre, tout le corps est recouvert de plaques de verrues et il ne supporte plus l'exposition au soleil. Cool. Vite fait, avant que j'aie quitté le COPS ou autre. La raison de la convocation de Karl Fontanet, c'est pour la raison sur l'enquête qu'il y a dans sa propriété qui est le bâtiment. Est-ce que ça vous va? De toute façon, ça se jouera en roleplay avec le sous-substitut du proc pour qu'il signe ça. Je pense qu'on a passé du tout. Il y a sûrement le lieutenant qui sera là pour ça. Hein, parce que convoquer le chef du Ku Klux Klan, va falloir trouver. Va falloir ramener hein, sur le terrain le truc. Hein. Oh la vache. Moi, je pense aussi, mais bon. Déjà, il faut qu'on ait interrogé de manière normale le deuxième, là où il y en a un. Il y a Thomas Singleton. Ouais, mais cette fois on lui dit qu'on vient. On peut peut-être demander un mandat pour prendre les empreintes de tous les employés, voir lesquels on collaborer en contact avec l'ordinateur et après savoir ouais, bah, comme je te dis, dessus. Ça, il faut que à chaque fois que tu ailles voir le substitut du proc pour demander ces mandats-là. Donc, en tout cas, il va falloir aller le voir et dire ce que tu as besoin. Non, mais on peut faire ce que Obi a dit. C'est ça qui va être intéressant, celle qu'on connaît pas. Mais aller voir aussi, surtout aller voir le deuxième, il en manque. Mais sincèrement, si vous voulez des réponses, de toute façon, faut pas aller voir les deux sous-fifres. Hein. Faut directement aller voir la source. Ouais, mais faut quand même y aller par principe. C'est pas dit parce que les sous-fifres sont peut-être plus manipulables, plus enclin à parler, alors que le chef, il va avoir une tétrachée d'avocats, et il va avoir des bollocks gros comme des pastèques. Oui, mais t'inquiète pas, les avocats... Nous, jeunes flics... Je déconne. Voilà.
Et toi, tu vas vite finir en taule avant ce que tu veux arrêter. Hein, c'est... Non, mais je les cogne entre guillemets, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Je vous cogne, mais ouais, entre guillemets. Sinon, moi, j'avais un truc à faire. Je vais aller m'entraîner. Ok. Voilà. En club. Pour préparer mon duel. Ça me paraît pas mal. Ouais. Eh ben, ce fut une bonne nuit quand même, hein. Nous, on a arrêté 4 gars, dont un meurtrier. Tout va bien. On a presque sauvé un gars, on va venir ici de près. Ouais, nous, on a sauvé une vie, hein. Ouais, voilà, c'est ça, hein. Vous avez sauvé une vie, putain, vous avez... Vous l'avez abandonné pour une Mais nuit. Même pas. Même non, pas. Non, même pas. Avez... Et puis on a rappelé les principes d'humanisme à un docteur. C'est pas mal oh, déjà. Putain, prenez-le, on n'en veut pas nous. Eh ben, c'est suffisant. Hein. Ouais. Bon. Ben, je crois que de toute façon, Rick voulait s'arrêter là. Ouais, moi je vais arrêter là. Ouais. On a pas besoin de. Bah, ça va, par soirée on fait une nuit, donc on va avancer doucement, mais sûrement. Quoi. Mmh. Au fait, on a des jours de repos? Ouais, t'en as. Alors. Je pense que t'en as 10 par an. D'accord. Et il faut les poser en avance, hein. Oh, putain. Mais Le truc, c'est que tu bosses 2 semaines et après tu repos une. 3 semaines et après t'as 1 semaine de repos. Ah. Oh bon, ça va alors. Ok. Ouais, vu qu'on vient de commencer. Ouais, c'est un rythme violent quand même, hein. Mais Ouais. Surtout que tu te fais les week-ends, hein. Ouais, ça va être fuck l'autre, hein. Avec tous les bourrés et compagnie. Ouais. Donc, comme je disais, de toute façon, là, on va faire la première semaine. Et là, à partir de la deuxième semaine, on enchaîne sur la campagne. D'accord. Encore ce truc. Non, ça c'est juste de l'intro pour prendre en main le système, le jeu, les trucs. Non, c'est pas la campagne. Je pensais que justement il y aurait des énormes ramifications et tout dans cette enquête. Ah mais il peut en avoir, hein, parce qu'il y aura plein de trucs parallèles et il y a des trucs que j'ai récupéré, que il peut avoir des interventions que je récupère dans le bouquin. Par exemple là j'ai pris des trucs sur le gob. Les trucs sur le gob, c'est pas dans la, ça fait pas, il y a des scénarios où le gob intervient, mais ce que vous avez fait n'a rien à voir. Mais ça permet de vous mettre en place aussi ce qui se passe autour, quoi. Comprendre qu'il y a des moments en fait quand il y a une tombée de gob, voilà c'est pas glop, vous êtes obligé pour rentrer dans les bâtiments de passer par des bains de pédiluve, des sas, et pareil pour la, j'en ai pas encore, je vous l'ai pas encore fait, mais il y a aussi la Great Plague qui attaque carrément les bâtiments, elle, qui est une espèce de maladie qui attaque les bâtiments et qui détruit les bâtiments. T'as des zones carrément sinistrées dans Los Angeles où plus personne va, et que toute personne qui y va, bah, doit, pour sortir, doit passer dans une zone de contamination pour pas que ça atteigne d'autres bâtiments. L'intérêt de cette semaine, c'est de vous mettre vraiment en fait en dans le bain, ouais, comment dans le bain de du COPS pour pas que pour que ça puisse couler plus facilement en fait sur les, oui, le scénario. Non, mais je comprends tout à fait. Hein. Sachant que vous avez mis une enquête qui est difficile et parce que elle est difficile parce qu'on ne sait pas forcément qui est le meurtrier. Par contre, si on savait qui des éléments essentiels. Voilà, il nous manque des éléments c'est essentiels. C'est le principe d'une enquête, sinon elle est bouclée vite, hein. Mais oui, un peu comme celle de ce soir où on a arrêté les 4 gars, quoi. Bah oui, tu chopes les 4 gars en plein méfait, les balles correspondent, t'as juste à attendre le rapport du légiste et le rapport de la balistique pour vérifier. Ouais. Et si tout correspond, bah tu files ça au proc, et puis il se démerde avec, quoi. À la limite, il va vous appeler pour les témoignages de l'intervention. Ouais, mais moi, c'est la caméra. De toute façon, du début de mon service jusqu'à la fin de mon service, la caméra est active. Voilà. Juste à regarder mes vidéos, quoi. Dans le pire des cas. Ça s'appelle du voyeurisme, monsieur. Oui, mais au moins, je suis couvert. Je pars du principe que le personnage de Kevin est resté au COPS. Du lieutenant. Mmh. J'espère qu'il va régler rapidement son problème de connexion. Oui, parce que quel chouchou alors celui-là.
Non, mais l'élément qui nous manque, de toute façon, c'est ce qu'il y avait dans l'ordinateur. Ça, c'est sûr. Ah bah oui, moi, c'est ce que je cherche. Hein. C'est ce qu'on cherche, et le seul moyen de l'avoir, de toute façon, c'est on sait à qui demander. Non, mais seulement, il faut que quelqu'un te le donne, hein, te le dise. Hein. Ouais, c'est mais... surtout ça, parce que tu sais sûrement qui c'est, mais c'est pas pour ça que ces gens-là vont te le dire. Hein. Ouais, mais t'inquiète pas, je sais poser des points sur la table pour qu'on puisse me le dire, d'accord? Hein? Je sais taper, on va dire. Mais que sur la table. Allez. C'est pour ça que j'ai envie de convoquer Karl. Hein. C'est juste ouais, pour mais ça. Tu n'y hein. arriveras pas. Hein. Franchement, t'as pas assez pour pouvoir le convoquer lui. Mais et laisse-moi le faire, tu vois, ça passera nettement mieux avec moi. Oui, bien sûr. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? Un truc à la con. C'est marrant. Mais voilà, donc c'est fini pour ce soir, en tout cas. Eh ben, merci, c'était très agréable. J'ai fini ma journée sur un. Une bonne note positive en la commençant par une note positive, donc c'est bon, tout va bien. On n'a pas vécu la même journée. Ah, ça arrive. Ouais, mais bon, non, c'était random, rigolo, ça m'a plu. Le quoi? C'était le random du début, à savoir qui allait tomber sur quoi. Ah, nous, non, on mais était c'est même pas toujours les mêmes qui fassent les actions les plus virulentes, on va dire. Ah oui, non. Il n'y a pas eu de violence, il y a eu un seul tir. Hein. Ouais, bah t'as de la chance qu'ils n'étaient pas armés et tarés. Hein. Putain, hein. Le seul tir, c'était le mien. Hein. Il n'y a eu qu'un seul tir. Hein. Et le tir en l'air pour les calmer quand je me suis demandé s'ils ne me fonçaient pas dessus. Oui, c'est une des questions. Putain, la détrachée de papier que tu vas faire pour justifier ce tir, quoi. Bah, à partir du moment où tu te sens menacé, tu as le droit de tirer, en fait. C'est tout. D'accord. Attention, il va attaquer. Mais non. Non, le seul qui a vraiment attaqué, en fait, dans cette histoire, c'est moi. Quand j'ai plaqué le mec. Bref. Bon, allez, les enfants. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. Ouais, franchement, ouais. J'ai eu de l'action, j'ai pu courir, j'ai fait mon sport. Tout va bien. Ouais. Ouais, c'est cool. Puis j'ai pu conduire aussi, ouais. Pardon. Ah bah je vais te laisser conduire hein, parce que c'est pas moi qui vais le faire. Hein. Non mais t'as pu voir que quand même avec une voiture je suis capable de faire des arrestations. Des arrestations ouais. Personne, c'est pas la même chose. Ah c'est pas la définition. Arrestation c'est pas un arrêt sur une tu personne. Tu diras ce que t'auras mis sur ton rapport, si tu l'auras mis ça ou pas. Je suppose que non, mais bon. Bah non forcément, on dirait que j'ai intercepté le personnage qui traînait sur l'autoroute en voiture. T'as de la chance qu'il n'y ait pas de caméra dans la voiture. Hein. Ce qui est pas faux. Non mais je suis d'accord. Bon par contre je t'aurais quand même un petit peu engueulé hein, sur l'histoire mais bon comme non, le mec avait rien du ça va, j'ai mais... du mal à évaluer les distances genre l'on connaît et sinon à 0,5 cm je me pilais pile poil devant lui quoi. Sérieux, en plus on n'a pas idée de se balader en plein milieu de l'autoroute, sérieux aussi. Bon en tout cas bon bah voilà. Non, c'était bien. Ouais, on s'est bien marré. Comme on dit par chez nous, muy bien. Muy bien. Allez, et sur ce, les gens, je vais vous faire un hasta luego. On va travailler pour demain. À bientôt. À peluche. À peluche. Bobby, tu peux couper le... record. Ouais. T'as au moins 10 minutes de flottement. Thank you.